de jeunesse là, il sort pas, hein. Pas possible, ça. Bouton quoi? Bouton de jeunesse. Bouton de jeunesse? Identifiez s'il vous plaît, comment est bouton de jeunesse? Dis plus, toi là pour ma bonne forme là, abîme votre gueule avec. C'est la jalousie, va tchao, mon frère. Jalousie, vous avez fait comme ça, non, laisse. C'est qui le présentateur vedette, tiens donc? Ouais, ouais, on parle de présentateur vedette. Arrête foutre poupette qui est là. Allez, putain, on a notre gars, je suis plateau là-bas devant la caméra. Mais rôle le tanier avant. Rôle le tanier, comment ça, 10 minutes? T'as vu de maquiller là? Non. Mettez le temps dans mon chien. Attends, un peu le trou de ma cadame là. Allez! Bouge au lance. Travaille un peu, j'en dois comment il travaille, quoi. So. C'est pas possible ça. Là, il faut qu'on maquille encore là. Pourquoi tu te gueules dans les tailles là, ouais. Tania! C'est pas possible ça, t'es de monde les payer pour rien. Tania! Occupe-toi de vente donc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Tu sais, un lève, ça, c'est mon zinto. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue. C'est le U, tu vois, moi. Faut pas me dire U du tout. Bonsoir et bienvenue. Dans les yeux, dans le. Non, Ezeb, fais pas ça, s'il te plaît. Ou les pareils Sophie Gastrin avec son jeu de lèvres. Fais pas ça non plus. M'a pas fait rien, moi, là, moi, naturel. Là où il est naturel, là? Bah oui. Ben mon Dieu, là encore pire que ce que m'y pensait, alors. Tiens. Au fait, dis merci, Chirac. Pourquoi? Parce que si le pente passe, on n'aurait pas été là à l'heure actuelle. Me signale à haut, ma chère Tania, que nous l'arrive par le même bot people. Je l'ai oublié. Et où tes missions, c'est les yeux dans l'œil, c'est ouais. Ça? Les yeux dans l'œil. D'accord. Ouais. Et c'est face à face avec Le Pen, justement? Parce que Lina a un œil, lui. Ah ouais, d'accord. Mes yeux dans son œil. Ouais. Mais il fait de l'humour. Oui, ça, il fait de l'humour. Non, non, pas du tout. C'est une émission sur les grands événements sur la planète. Que ce soit bombardement, guerre, événements climatiques aussi. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une émission sur les bonnes trucs comme ça. Quoi. Ah, d'accord. Coiffé. Quoi? Comment on venir attraper un figure pareil? Ou l'a pas dormi hier soir? Regarde comment Dieu les CNN là. Il remarque ou quoi? Mais bien sûr qu'il remarque. Ah, mais que pas moins. Ben écoute, bouchez un peu les trous laissés par les écorchures de boutons. Hein? Ouais. Et la peau les rêches. Hein? Ouais. Ou mettre fond de teint. D'accord. Ouais, mon figure accepte bien le fond de teint. D'accord. Ouais. Fais ça. Ouais. Ma mettre fond de teint. En même temps, quelque part, moi, les que maquilleuse. Ouais. M'y occupe pas l'enrobé la DDE. Sous de macadam, les mal foutus, c'est quand même pas moi l'auteur non plus, hein? Et c'est quoi exactement le concept de l'émission, alors, les yeux dans l'œil? Le concept? Il faut des calmes en bras, peut-être moins concept? Ouais, parce qu'il faudrait qu'on rassemble là-haut un peu, quoi. On trouve au moins éparpillé, peut-être. C'est tout dans la hanche, ouais. Qui parle? Non, en fait, le concept, si vous voulez, c'est... comment explique ça une maquilleuse? C'est un hold-up exploratif dans l'intimité subliminale des gens. Ah. Lors d'un événement programmé par les forces de la nature, mais capté par la technique des caméras. En fait, c'est des reporters que nous envoient sur un événement. Mmh. Ben, ils filment, mais très peu d'interventions, attention. Hein. D'accord. En fait, cette intervention est réduite au strict minimum. Ils ne sont que les catalyseurs d'une réaction chimico-émotionnelle. Le tir amène des images brutes de brutes, sans commentaire, voilà, c'est ça le concept. C'est ça. D'accord. Catalyseur d'une réaction chimico-émotionnelle. Tout est résumé là. Ouais. Il ramène des images sans commentaire. Exact. D'accord. Donc ce sont des suives qui? Parce que si vous étiez moi suive qui, moi j'aurais compris. Vous êtes sur la case de monde, vous êtes regarde, vous êtes film, vous êtes dit pas rien. En fait, c'est un peu du voyeurisme. Mais c'est vrai que c'est très très tendance maintenant le voyeurisme. Hein? Mais on n'aurait pas pu dire les choses simplement. Non. Ouf, fait tellement l'intéressant. Hein? Ouf, fait tellement. Vous connaissez des fois que ça m'a la peur, Ezeb? Non. M'a la peur qu'à force d'utiliser bon grand mot savant là, à un moment donné, ou même comprend plus que ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, m'a la peur pour des fois, hein, bien sûr, à haut. Hein. Excusez-moi si m'y gagne causé, si m'y maîtrise le verbe français, m'a fait des études, m'a parti loin l'école, quoi, les pas comme certains. Il voit pas de qui ou pas. Ouais. Non, mais il dit ça parce que bon, il explique pourquoi certaines personnes y passent à l'écran pendant que d'autres les que maquilleuses.
Non, arrangeuse de gueule pour Woody. Tania! Quoi? Tania! Oui! Dépêche un peu donc! Attends, mais pour qu'on finisse, ils viennent arriver! Attends, on n'a pas fini! Vous n'avez qu'à arriver à l'heure! Ça fait chier le monde donc! Allez, Tigro, là, depuis Yagen Fonroy, là. Allez, Tigro, allez, où? Qui ça, les gros? A dit, où, Tigro? À moi, les gros? Non, mais quoi, on avait qu'à arriver à l'heure, mais c'est bien là où, monsieur? Comme on est, bouquet 15 ans, faut pas occuper, moi, mon case. Des merdes, à tous, c'est la pour famille, tu soignes rien que le chien. Que le chien, t'as encore James Wan, fais mon gueule. Hein, avec tu coiffes les toits, on s'en pas les merdes, là. Tiens, mais un peu. Hein, des merdes, un peu, comment dans 10 minutes, là? T'as l'air voir, moi, je suis venu de mon bureau, ça. T'es chier. James Brown, t'arrêtes de déconner, là. Moi, mes trouvé n'a point tort dans tout ce que l'il dit. Ah. On ressemble James, mais James Maillot, t'es à l'école avec nous, là, on rappelle? Et marche. Ferme un peu, je bouche sur le plateau, là. Top antenne dans 5 secondes. 5 secondes. 7, 4, fais pas ça, 3, 2, top antenne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Les yeux dans l'œil. 4 jours de tournage, 4 jours de tourmente pendant le cyclone Dino. Dino que l'histoire météorologique retiendra comme le cyclone le plus violent du siècle. Au cours de ce reportage, nous serons les témoins discrets du quotidien d'une jeune mère de famille, Colette. Colette qui, vous le verrez, a un sens très particulier de la prévoyance. Nous accompagnerons également un cuisinier occasionnel, Jean-Bernard. Jean-Bernard qui a fait preuve d'une certaine désinvolture face aux énièmes caprices de la nature. Et enfin, nous partagerons la passion de ce jeune étudiant, Amédée. Jeune étudiant complètement fasciné par les cyclones. Sans oublier, bien sûr, les patrouilles de police, le cabinet du préfet et bien d'autres anonymes encore qui ont accepté la présence discrète de nos caméras. Je me propose donc de vous conter une Cyclone Story. Un reportage qui vous touchera. Vous émouvrez. Un reportage qui vous émotionnera. J'émotionne, tu émotionnes, il émotionne. Passe un mire, tchadi. La houle a commencé à déferler sur les côtes, enveloppée dans d'épais embruns gris. La vigilance cyclonique vient d'être déclenchée car depuis quelques jours, un météore baptisé Dino rôde dans les Mascareignes. Le temps est maussade, il y a du crachin, et dans les grandes surfaces, c'est la ruée sur les produits de première nécessité. Comme souvent, en pareille saison. Mais la maraillée, la pas maraillée, Moumou. La maraillée? Qui ça la ramasse, ça? Et toi? Hein? Ah, tu pourrais une petite toupie chez moi, Moumou, rappelle, puis? Ouais. La pas un boug ici, là. La ramasse. Maman. Oui. Non, mais ça va parce que le reporter, c'est que maladie au poupasse dans l'émission télé en France, les là. Hein? Les bon, m'y rappelle à tout à l'heure. Ouais. Allez. Maman. Allez, maman. Allez. Bye. Oui, allez.
Bonjour, moi c'est Colette. D'accord, ok. Par contre, s'il vous plaît, monsieur le reporter, s'il était possible, est-ce qu'il peut filmer à moi avant et un petit peu rapidement parce qu'en fait, il ne peut pas trop tarder par rapport dans 10 minutes, nana, machin. Mon feuilleton là, dans la télé commence et il ne rate pas. Marie-Marie. vous ne connaissez pas C'est adieu, vous ne connaissez pas C'est adieu Comment Vous vous en foutez. Mais sans doute de vous, pas bien entendu déjà, on en fout de C'est adieu. C'est l'homme de mes rêves. Ok, d'accord, on va faire un petit peu vite. Très bien, ok. Là, comme ça, c'est bon, c'est dans le champ de la caméra. Là Là Mes cheveux, pas trop dans les yeux. Ma mettre rouleau pour remonter. Des bigoudis, des bigoudis. Voilà, avec des fuches-mèches. Voilà, mamie. C'est bon? Très bien. Là? Par contre, s'il est possible, plutôt filmer de ce côté-là, parce qu'en fait, c'est mon meilleur profil pour essayer mon dans les temps. Hein? D'accord. Très bien. 3, 4. Top. Bonjour, moi, c'est Colette. Ce qu'il y a dans mon chariot, eh bien, rien de superflu, juste de quoi survivre. Juste de quoi survivre pendant le cyclone. J'ai pris de l'eau, j'ai pris des bougies, j'ai pris des piles alcalines, j'ai pris des piles char. J'ai pris du Snowek. Le Snowek, c'est du poisson séché à La Réunion. Oui. Ceux qui parlent pas bien disent Sunouk, mais moi, je parle bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tissalés aux lentilles, des pâtes cochon aux fèves, des boucanés aux gros pois et des andouilles aux haricots rouges. Voilà. J'ai pris... Non, mais à chaque fois que je prends de la viande, je suis obligée de prendre des grains en complément. Parce qu'en fait, je vous explique, mon mari aime beaucoup, beaucoup les grains. Non, plus que vous ne le pensez, monsieur le reporter. Oui, parce qu'en fait, je me souviens qu'il y a 2 ans de cela, j'avais fait la cuisine, j'avais oublié de mettre les grains. Et bien, il a failli demander le divorce pour incompatibilité de repas. Donc maintenant, je fais très, très attention et j'assume complètement. J'assume, je me suis mariée avec un grainophile. Peut-être qu'on dit grainophage, je ne sais pas. Enfin bref, je me suis mariée avec quelqu'un qui aime beaucoup les grains, donc je fais très très attention maintenant. J'ai aussi pris 25 boîtes de tomates en boîte. De toute façon, si ça ne sert pas pendant le cyclone, ce n'est pas grave. Je pourrai toujours les revendre après au marché forain en confiture tomate. Parce qu'en fait, chez moi, la devise, c'est rien ne se perd, tout se récupère. Tout. D'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, parce que j'ai plein d'histoires, je me souviens que l'année dernière, pendant le cyclone Ando, j'avais pris un stock énorme de bougies. Heureusement, mon beau-frère a perdu sa belle-mère la même année. Donc, on a fait une veillée comme ça, c'était éclairé partout, c'était magnifique. Vraiment, les gens étaient prêts à danser tellement c'était beau. Si. Donc, voilà. Ensuite, comment ? On arrête avec le... D'accord, comment ? Très bien. Ce que je crains le plus, c'est clair. Eh bien, ce que je crains le plus, c'est la coupure d'électricité, bien sûr, puisque la télé ne fonctionnant ni avec pile ni avec bougie, j'aurais du mal à visionner mon feuilleton sans. Donc, je suis obligée de... Comment ? D'accord. On fait la suite du reportage tout à l'heure à la maison. Si l'adresse a été donnée, c'est très bien, parfait. Merci, je vais voir Aïma. Ça tombe bien, le monsieur l'arrivé va aider à moi. Bonjour. 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 Pareil. Bonjour. Bonjour, hein. Il tombe bien que vous l'arrivez parce que là... Je change un petit peu mon chariot, on aura difficulté pour emmener à lit. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, pardon. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, donner à moi un petit coup de main pour pousser mon chariot jusqu'à ma voiture ? Hein ? Bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourrez, monsieur, mais répétez un petit peu plus lentement,
Aide-moi, pousse mon chariot jusqu'à ma voiture, s'il vous plaît, monsieur. Pousse une merde, même, madame. Comment que j'ai aidé ma propre mon chargée? Tends-moi les droites. Eh ben, à mon garçon. Mon garçon dans la barbe comme ça, ou? Mais monsieur, excusez-moi, c'était juste, comment dire, essayer à vice demandant de mon créole, c'est tout. Mais pensez que la solidarité, au moins dans notre pays, existait. Ah oui, la solidarité entre créole. Oui, oui. Mais comme si c'était au créole. Oui, moi, c'est un créole, monsieur, fier de l'être. Ah oui, à où peut-être le mot de cheveux, non? On s'en met des créoles avec cheveux comme ça, moi. Monsieur, c'était la moindre des choses, monsieur, ou la sauvage. Ah oui, à où les gens, tu, madame? Espèce de mal élevé. Ah oui, bien élevé, madame. Mal éduqué. Ah aussi, ah oui. Vous n'êtes même pas beau, monsieur. Ah, madame, vous êtes belle. Oui. Ah oui, j'ai vu qu'il commence à partir de là, il monte comme ça. Là, vous êtes belle. Vous n'êtes pas fini, monsieur. Ah oui, ben où par contre, mal fait, comment ça, où? Espèce de Pokémon. Espèce de Zanpeke. Billet garçon. Ah, vous êtes belle, madame. Monstruosité. Ah oui, 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 Pikachu. Hein, monsieur le journaliste? N'importe quoi. À moi que j'ai de ma porte, mon sachet. Hein? Monte tout seul avec moi-même, mon poignet, n'importe ça. Ça, il aime cette bande de monde comme ça. Les boules, ça sera mieux que bazar. Comme si il y a une guerre de créer, ça a pété, là. À moi, jamais, je ne peux pas être bien sérieux comme ça pour Chiclone. Dans le magasin, là, on a un peu de moule prêt, belles autres nations, un coup de couteau, pourquoi? Pour un pack de l'eau. Oui, là, le performe, il te bout de côté le bon pack de l'eau. Touche pas, c'est à moi. C'est à moi. Même si vous nous aidez dans 3 jours après. Hein? Mais messieurs journalistes, la pichiconne comme dans la Réunion. Des pichiconnes, il y a 5, toutes chiconnes, ils sortent d'un canal Mozambique, il y a riche la Réunion, il garde la gueule de monde, il sait que ça. Mais bien, j'ai de monde, il a trop mauvais la Réunion. Vous imaginez si quand il vient pour coq de moune, c'est de moune langue d'aller? Il pèse, mais il sait que ça allait. Comment? Mais messieurs journalistes, sous les couillons, comment donc? Mais ma dieu, ouais, chicone, la lettre chiconique, tout ça là. Mais tout ça là, c'est l'invention au gouvernement. Mais bien sûr, c'est l'invention au gouvernement pour faire vendre mon gros capitaine de l'industrie. Et c'est que de moune, il connaît pas la météo, tout ça, les complices. Hein? Mais bien sûr, mon chicone, la lettre, tout ça, c'est les voter à l'Assemblée nationale, là-bas, ça. Mais bien sûr, le bon député, le courant de ça. Ces autres qui votent quel chicone il vient, combien d'argent ça vient, c'est tout. Et passe à une télé, on coupe ça, oui. Belle surprise, hein? Mais messieurs journalistes, vous les naïfs commandons, mais quel signe avant-coureur? Ben le guêpe, il fait le nid d'un barbacane, mais parce que le guêpe est moins couillon qu'avant, c'est tout. Il ne fait pas dire aucun chicone il vient. Mais pour Fourmi, il est pareil. Fourmi rentre en colonne couvrée dans la case. Mais parce qu'il connaît que le pouvoir d'achat créole l'augmenter. Il n'a pas mangé de la caille sans l'ordre d'aller. Hein? Mais il paraît le zombie, il est comme ça. Il s'en va au sein de la bougagne. Hein? Mais la pire, c'est quoi en 2002, monsieur caméraman? La pire. À moins qu'on s'en l'acheter, et m'a acheté de 20 pour faire chiver, m'a fait 10 oies, 10 canards avec un malcoçon. Ah oui, un joli malcoçon. Oui, mais il n'a mangé pour faire pour vous communion. Ben, m'a acheté de 20, moi. Hein? Ah oui, hein? Fallait pas montrer la marque. Ah, excusez-moi, c'est du Covino. Hein? Ah, fallait pas dire aussi. Ah, excusez-moi, m'a fait un gros boulet. Hein? Ah, ben, qu'est-ce que peut-être moi ou moi? M'en équipé, moi, un groupe électrogène, congé la tête, ça, il manque pas. Ah oui, de toute façon, avant la viande, il gâte pas, j'ai une famille, tu devais manger la case, là, tu devais dans ensemble. Hein? Ah, qu'est-ce que peut-être, m'en équipé que ça, moi? Oui! Ah, mais bon, c'est là. Il n'y a pas de problème, ça. Oui, c'est bon, allez. Côté mon nom, on a fait un. Non, monsieur journaliste, mais j'allais, passe pas trop de monde comme ça, ouais. Ah non, à moins ça va nous souffler chaud masculin, je m'en ai comme ça, ouais. Tu n'as pas carte, hein? On va y aller où? Zoumé, y'a bien. Hé, fais un plan là, c'est chinois, sinon on va peut-être passer à la patte à l'écran. Non, mais si son ventre la rentrée, mon tête va rentrer le jour. Pas du tout. Moi, je suis plutôt fasciné par les cyclones. Je suis ce qu'on peut appeler un chasseur de cyclones. J'étudie la cyclonologie. Je suis en deuxième année à l'université de Bordeaux 3. Bordeaux 3, PSG, hein? Moi, la ville au match. Oui?
Ah, mais c'est un joli match, hein? Oui, bon, tu le baisses 3 billes, bien j'ai fait. Ah oui, c'est un joli match. Oui, 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 oui. Soumets, soumets, oui, oui, oui. Et j'en connais un rayon en cyclone, rien que le terme cyclone déjà. Hein. C'est employé depuis le milieu du 11e siècle, ça vient du grec kouklos, qui signifie enroulement du serpent, exprimant ainsi le mouvement à tendance circulaire qui caractérise ce type de perturbation. Ah, mais y a, dans excusez-moi, comment tu dis kouklos? Mais bien sûr, mais connais kouklos, moi. C'est un acteur cinéma. Oui, la toile dans le film, mais kouklos, c'est Yakil. Comme ça, messieurs journalistes, dans le film là, kouklos, c'est Yakil, un manioc. Oui, frappé en voyant ma réchauffée. Oui, calpité. Jouez, 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 jouez. Oui, alors dans d'autres régions du globe, d'autres termes sont utilisés. Par exemple, aux Antilles, on va plutôt dire hurricane. Ah oui, ça me connaît ça, le week-end. Ah oui, mais bien sûr, qui arrive vendredi, samedi, dans mon travail, mon collègue qui regarde moi et dit « Allez, bon week-end hein? !» Et mon garçon me dit « Ah aussi pareil !» Ben, hé, get pas le personnage comme ça, mais m'a fait l'anglais de quoi? Oui, m'a fait l'anglais, mais... Yes, sir! No! It is a tea! Oh, yeah, yeah! Je disais donc hurricane, qui signifie ouragan. Et dans le nord-ouest du Pacifique, vous allez plutôt entendre le terme typhon. Ah, ah oui, typhon. Non, typhon. Typhon. Oui. Mais j'ai. Oui. Mais tout le monde connaît ça la réunion. Typhon pour la marmite show. Oui. Il y a pas les actes typhon marmite. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Prends la caméra, mets une case, non? Vex, vex, vex pas, il vexe, hein? Vex, vex, vex pas, vex pas, vex pas. Eh, moi, moi, moi. Zoumé, 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 zoumé. Vous pouvez me faire confiance, hein. Je suis un member of the WMODGTCF. Vous connaissez pas. Le World Meteorological Organization Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting. Ouais. Sauf si un boomerang a fait pour rajouter dessus ou que pas. Ah ben là, félicitations. Ah là, tous mes félicitations. Là, oui, là. Là. Là, il y a belle, moi. Ah, c'est mon domaine, quoi. Si il était belle, j'ai le bal, il y a belle, moi. Ah, j'ai le bal, belle. Mais par contre, tu parles à moi de bon fabrication Massalé. Ouais. Ah, ça, Mickey Jones, hein? Pas bien. Non, mais Massalé, c'est important, là, mais non. Non, mais chez caméraman, Massalé, vous connaissez Massalé? Non, mais une autre émission. Vous connaissez quoi, nous, Massalé? Non, mais là, c'est. Ouais, connaît le bon dosa, le grand chillon, le grand coriandre, qui m'ont fait craser, tu vois, mais c'est important, ça. Parce que, ouais, Massalé, s'il est mal préparé, là. Aïe, 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 dangereux ça! Mais pour raconter où un coup, monsieur le journaliste, où habite pas la réunion, on ne doit pas connaître. Ah, pour raconter où un coup, on appartient à un mariage. Où ça, ma salle est mal préparée. Ah, quoi, moi, la mariée, mais pitié le soir là. Ah oui, la retrouve mort sur la voile de la mariée, dans le carreau pimpin, bonne mère. Oui, attends, quand le mariée parle pire. Ah, tu viens, ils vont débarder ce parking. Oui, à chaque carreau sur le carreau, bonne mère, t'es pas un bon. Hein? Ah, non, pas bonne kilométrique, hein? Ah non, c'est pas qu'elle était la bonne pour la masse, c'est un calme. Ah oui, ben ça, ça cata. Ouais. Hein? Mais mariage, c'est pour qu'on finisse un papier piché à table. Oui, tout le monde se déplace à son eau. Mais elle a fait la masse devant la porte toilette. Ah, elle n'a pas besoin de payer une dégramme, même pour danser le soir là. Ben là, devant la porte toilette, elle était comme ça. Ah là là. Ah là là. Ah oui. Véridique de vrai, mais le soir là même, les Bastien là, ni l'écrit son morceau là, ça même mal au yatra là là. Oui, c'est dangereux ça m'a salé. Mais par contre, un coup, par contre, un coup, on l'a fait un massalé. Ah, sans vanter, m'y vante pas, hein. On l'a fait un massalé, tellement t'es bon, mais pour qu'à force temps, lisse son doigt, la balle sur son valier. Oui, la balle sur son valier. Mais à moi, avec mon bon remède grand amour, ne m'a pas perdre le temps, il m'a donné un bon gîte tamarin, fait travailler le bal. Après, m'a fait assiser les gens, les mots, fait dégager le bac. Hein? Ah oui, quand le bac a sorti ton nom, hein? Ah oui! Ton nom massif. Ah oui, non, mais ma salée, j'en ai fait, faut pas. Je pas avec ça. Hein? Comment? Attends, moi, mon œil de balle-balle, connais. T'en bouge pas. T'es là, de balle-balle!
Ben, je balle, viens. Attends, je le balcon, viens. Et la demandant comme ça. Et lequel ou la plus peur? Et couper de l'eau, couper un téléphone, ou bien l'estresté? Le stress. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est la coupure satellite. Parce que je suis connecté avec mes collègues de Hawaï et de Floride qui m'envoient des données et je reconfectionne toute la trajectoire du cyclone depuis sa naissance. Bah, on peut retrouver tout ça sur mon site. J'invite les internautes sur mon site. http://www.suivelekicyclone.com. D'ailleurs, là, il est 18h, GMT plus 4. Il faut que j'aille me connecter avec Abu Dhabi. Je vous laisse avec le petit, là. Hein? Allez, Abu Dhabi. Abu Dhabi, ça va, moi. Fais pitié, hein? Malheureux, quand même, hein? Arrive à ce stade-là, comme ça, hein? Ben, son tête est vide. Ben, tu te lavais dans la pousse dehors. Ben, non, mais ça allait bruit, cette histoire, Maria, ma salée là. Mais bien sûr, mais ça m'étonne souvent. Tout ça, là, fait grand fait divers. Mais bon, c'est puis l'inspection, l'immigration, le contrôle, le ventre de monde, tout ça. Mais jusqu'à l'air, 5 mois après, la boule encore l'hôpital, t'en as 29 arrivé. Oui, ah, mais ma salée, mais je sais pas avec ça, j'ai mal préparé. Hein, t'es où ça va? Ma boucle confite, t'es. Oh, mais, t'es pas beaucoup fini, mais encore, t'es. Oh, mais, t'es où ça va? L'alerte orange est en vigueur. Quelques oiseaux affolés luttent désespérément contre le vent. Impitoyable. Le cyclone s'est considérablement intensifié et menace directement la Réunion. Un grand moon scrute le ciel avec inquiétude. Une station de télé a été la première à subir les assauts de Dino. Il y a des signes qui ne trompent pas. Bonsoir à toutes. Information capitale, la Réunion est en alerte orange depuis ce soir 17h. D'ailleurs, notre station a subi les premiers assauts du cyclone Dino, occasionnant des dégâts importants sur nos systèmes informatiques et électriques. Malgré cela, nous ne perdons pas la bec et tout le personnel dans Graines Réunion s'est tenu mobilisé pour vous tenir informés. Retournons-nous vers notre carte artisano-météorologique. La Réunion est ici. Elle est sous l'influence du cyclone Dino. Dino, qui était situé à 18h par 21 degrés est et 51,3 degrés sud, soit à 100. Dino, rentre à Oulamkat. Ça fait chier, mais pas Dino, moi. Fais un effort pour aujourd'hui, on appelle Dino. Et viens où? À quoi le moment baptise? À moi, quoi? Oh là là, arrêtez un peu là, Dino, pas une gueule sur la trajectoire. Moi, je suis fatigué, moi, en train de porter gros corps à la Réunion, ça, les loups, ça. Aïe. Oh là là, comment on se parle, hein? La Réunion est donc ici, elle est sous l'influence de Dino. Dino... Mais pousse, t'as dit, elle est sous l'influence, t'as pas dit, monte dessus. Dino, c'est cette énorme masse nuageuse qui est ici. Qu'on savait? Dino, quoi? C'est une énorme masse nuageuse? Non, parce que c'est énorme, masse nuageuse, c'est pas là. Nous relève le mouka tout de même. Mais il n'y a pas dit que c'est où le gros masque nuageuse, il dit c'est le cyclone Dino. Hey, tant qu'à où, pas de mon ouïe. Pour une fois, couler 20 quarts de la Réunion, plutôt qu'autre chose, hein. Bon. On n'a pas compris que ce soit insinu, là. Hey, comment ça? Mets ton pied avec moi, Micho, hein. Chiamant. Hey, ou touche pas mon quart, toi, hein. Ou à part, il faut te lâcher là-bas avec la direction, là, dit fais le météo, quand même, n'a pas l'électricité, n'a pas rien, là. Bien sûr, ça fait chier, moi. Je m'y arrête un coup. 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 Je Oh, comment il fait donc? En attendant, là, on a toujours le beau rôle, ou? Ah oui. Regarde ça. On a toujours le bon rôle, Bien sûr, un petit pantalon cintre, le petit kilo en bite dedans, là. À nous tenir, quand.
Ben, y'en a rien que ça, même aussi, là, on pite dedans. Hein? Oh, oh! À mon nom, 8 ans, on est dans une boîte, là. Hein? Tout le temps, c'est contrat renouvelé, contrat renouvelé. Bon contrat, emploi pour comment, là? Arrête de détonner, genre. Oh, oh! C'est là, là, c'est moi, déjoué, là, venez, ils vont en CDI. Débrouillez-vous, ce sont pas travail, puis arrête plein à où, mais signal à où, que nous tous les dans le même bateau quand même, ah, ici. Oui. Vous croyez facile pour moi de mon tassement de VATF de porte ce gros corps de la Réunion là, mon dos il fait mal. Ah oui, mon dos il fait mal. Ça les loue ça. Ça les loue ça. En tout cas, ça sera toujours moins lourd que le patron. Donc, ah ok, maintenant bien, mais oui. Bien sûr, quoi. Ah ah, ils sont 35 et demi, ça va mettre en place ça. Ça, où je me fous de Marco dans la direction. Hein? T'es dinoté. Encore, qu'est-ce que ça fait là? T'es moins lourd que le patron, t'es. Ah, ou t'es dinoté? Ça désagrège des petites pressions, moi? Prends pas que j'ai, ouais? Désagrège mon pression? Ouais. Viens te mettre des crêpes ton IA. Viens des crêpes ton IA, les gars. Mais trop content, voilà. On met l'alarme! On met l'alarme! L'alarme! Rentrez! Vous n'avez pas la force, mais pas nervé, hein? Moi, si m'étais bien nervé, m'étais dessin, Traou! Quel gueule, ça! Finale, quoi? Donc, comme vous le voyez, les conditions se sont dégradées beaucoup plus rapidement que prévu. La Réunion est en train de vivre des heures terribles, un véritable totochement s'abat sur nous. Donc prenez toutes les précautions qui s'imposent. Bonsoir à toutes, n'y retrouve. Coupez. Demain, ce sera la fête des Jean-Lot. Bonne fête à tous les Jean-Lot. La marée sera haute. Depuis grand matin jusqu'à tard, c'est le cyclone, hein. Coupez les branches d'arbres. Coupez les branches d'arbres qui pourraient gêner les fils électriques. Électricité qui pourrait aussi, électricité, être coupée. Merci. Le cyclone tropical intense Dino se rapproche inexorablement de l'île. Les eaux boueuses et tumultueuses des ravines se jettent avec fracas dans l'océan en furie. Quelques badauds imprudents assistent, hilares, au spectacle de la nature. À la préfecture, la pression monte. Faut-il déclencher l'alerte rouge? Faut-il attendre un hypothétique miracle? Les avis sont partagés, mais le temps presse. Il faut faire vite. Et le préfet hésite. Ok, très bien. Le maire de Salazie a rappelé? Il a laissé son numéro? Oui, je note. Ne quittez pas. 06 92. D'accord. Bonjour. Okay. Non, les gens de ma FAD, vous me les descendez à la possession. Vous prévoyez de l'eau, par contre, il ne faut pas mélanger, hein? Pour l'armée et la Croix-Rouge, de l'eau et des nailles pour les sinistrés de la Bagatelle. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Et oublie pas de récupérer un camion avec la grande échelle dans la cour, nous les tous amis. Ben oui, semaine dernière, après le grand monde, on a pas casse-coco. Ah non, j'ai dit camion pour moi, ça va aller, ça va. Ouais, et en passant, là, récupère la distance en ligue devant la boutique à Cam. Ah non, laisse pas aller là-bas, il veut savoir un camionnette. Lui. Ah oui, non, parce qu'il connaît pas, si passe en l'air, tu passes pas. Ouais, et que ça l'a fait Zodiac TPS dans le dernier le Zodiac qui était crevé dans le dernier triathlon, là. Oui. Ok, d'accord, c'est réparé. Ok, 5 sur 5, Rodgers. Mon téléphone à où t'allais, parce que le macro de préfet, il est... Allez, bye, Navi. Oui. Bien sûr, j'ai bien saisi l'urgence de la prise de décision, et j'en parle juste à mes collègues de la Croix-Rouge. Et je vous appelle. Et je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Préfecture, j'écoute. Oui. Ah, donc c'est vous que j'attendais. Oui. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Au revoir.
Sergent Garcia. Excusez-moi, là où est quoi, moi c'est capitaine. Capitaine, je suis pas tout à fait habitué au grade. Ma bataille pour arriver là, tiens. Enchanté. C'était un plaisir, capitaine. Bonjour, monsieur le préfet, enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue. Bonjour, ici. Bienvenue à la réunion. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah. On s'était croisés dans le couloir, je ne savais pas qu'on allait travailler ensemble. Pourtant. Pardon, j'ai 5 petits doigts. Ah, et là? J'en ai 5 aussi. Oh, très bien, c'est... Vous aussi, vous en avez 5, ça fait des petits points communs. Oui, déjà, oui. Mais on en a 5 aussi, là. On dirait des saucisses de Francfort. Ah, le galeson est un peu plus gros. Écoutez, ben, je vous remercie d'être là. Hein. Donc, vous savez, je suis nouvellement nommé ici. Je compte sur vos précieux conseils. J'ai eu les services météorologiques et tout ce qui s'ensuit. L'alerte rouge est tout à fait prévisible. Ça a l'air de vous inquiéter. Ah, moi non, hein. Non, c'est pas à vous que je parlais. À combien de kilomètres se situe le cyclone, monsieur le préfet? 120 kilomètres de nos côtes. 120 km. Excusez-moi, question, 120 kilomètres de nos côtes, mais dire 120 kilomètres en ligne droite, à vol d'oiseau, bien un virage des dents. Si je ne peux plus faire un petit mot dans le cabinet du préfet, ça va pas dans mon cabinet, ma fille. J'ai pas tout saisi, mais c'est gentil de détendre l'atmosphère. Détendre un peu. Capitaine, si vous voulez bien continuer et m'éclairer un peu. Bien, merci. Monsieur le préfet. Étant réunionnaise de souche directe, en effet, issue d'un croisement entre un père Yab et une mère Caffrine, je pense être ici la mieux placée pour vous faire part de mes suggestions. Moi-même, monsieur le préfet, issu d'un père inconnu, je pense... C'est bon, je crois qu'on... On va se passer de votre pédigré, capitaine. On n'a pas besoin. Si vous voulez bien poursuivre. Bien, monsieur le préfet, je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, issu d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Ma grand-mère a connu le cyclone 48, ma mère a connu le cyclone Génie, j'ai moi-même connu le cyclone Hyacinthe. Et moi, par contre, mon père a bien connu sa mère. Oui, si, papa a connu le moment, voilà. Ça pose aux questions, la ferme ou de gueule. Si, maintenant que vous le dites, il y a une certaine ressemblance. Hein. Ça, jamais, monsieur le préfet, ou enlève à moi ça. Non. Jamais, mais regarde la lèvre, ça, monsieur le préfet, ou à parler pas possible. Regarde comment elle est beau, monsieur le préfet. Oh, alors là. C'est le jour et la nuit. Hein. N'importe quoi. Ou tire à moi ça, monsieur le préfet, s'il vous plaît. Mais de toute façon, c'est pas le propos de notre réunion. Vous étiez en train de nous parler des cyclones 48, Génie, Hyacinthe. Donc je vous disais que ma grand-mère qui a connu le cyclone 48 me disait souvent que ce fut un cyclone terrible, monsieur le préfet. Sa grand-mère buvait, monsieur le préfet. T'es accompagné à coup de mémé quand t'es bois. Pas la peine de noter. Donc j'essaie de vous suivre un peu. Donc Génie, hein, Hyacinthe. Voilà. Et puis ce cyclone 48 qui n'a pas de nom, manifestement, parce que 48 est... C'est pas un nom, 48. Non, c'est un chiffre, c'est un chiffre. En réalité, il s'appelait comment ce cyclone 48? Capitaine. Ça, bonne question. Capitaine. Hein? Capitaine. On m'écrit, c'est... Oui, on te crie, c'est ça. Capitaine, c'est avec où que Mala donne les dossiers sur les cyclones pour étudier, pour présenter au nouveau préfet? Oui, à où? Ma messe de bureau avant-hier. Ah, moi, un dossier, il m'a pas trouvé, là. Hein? Vous l'avez étudié? Eh ben oui, il m'a pas trouvé, mais il l'a étudié quand même. Oui. Comment t'appelles le cyclone 48, capitaine? Le cyclone 48, comment t'appelles? C'est simple, le cyclone 48, c'est 7 x 8. Ah oui? 7 x 8, 48, oui, c'est ça. Oui, parce qu'avant, tu donnes le nom de l'année au cyclone. 1948, cyclone 48, ou bien 7 x 8, c'est simple comme bonjour, ou bien c'est 7, c'est 8, c'est 7. Le nom de l'année au cyclone. Voilà. On va retenir ça. 1948, cyclone 48. Voilà. D'accord. Je chipote un peu, mais... Capitaine. Si vous aviez deux cyclones dans la même année, voyez, 1948, un cyclone, deux cyclones.
Vous faisiez comment en ce moment-là pour les nommer? À moi-même? Et on peut pas les appeler 48 tous les deux. Non. Capitaine. Oui, où non. C'est le moi-même. Le dossier tout est qu'on m'a rien pris. C'est le moi, mais tu prends 48, mm-hmm. Et je pose 4, 4, je peux 5, 8, je pose 9, 10, et je en fais, je divise par 2, et ça fait qu'on fait un T appelle 24. Oui, 24. Il y avait un cyclone qui s'appelait 24. Oui. Et l'autre? 24 bis. Ouais, 24 bis. Oui, parce que c'est logique que 2 fois 24, ça fait 48. D'accord. Bon, ben, on va pas non plus s'attarder sur la table de multiplication. Surtout qu'il a pas l'air trop de la connaître. Alors, en plus, je m'y connais pas tout. je compte un peu sur vous, alors, si... Vous pouvez continuer? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, monsieur le préfet, moi, personnellement, je pense vraiment qu'il faille déclencher cette alerte rouge parce qu'avec tous les signes avant-coureurs que je perçois et tous les cyclones que nous avons connus dans notre famille, je pense qu'il faille déclencher cette alerte tout simplement parce que ça nous permettrait d'être ensemble et de préparer ce cyclone. Peut-être serions-nous dans le même bureau pendant 24 heures, peut-être 48 heures, 72. Peut-être 72 heures. Comment vous le demandez, monsieur le préfet? Comme ça. Hein. Déclenchez cette alerte. Ah! Un petit bouton. Oh, oh. Bouton 4 trous. Trois petits boutons 4 trous de fil. Un petit bouton. Monsieur le préfet, je... Monsieur le préfet, fais attention qu'on fait ça, on dirait jante les voilées. On dirait qu'il y a un choc de l'arrière. Le parallélisme est mal fait, on y est. Bon, toujours est-il que bon, j'ai officié, moi, jusqu'ici en Scandinavie, où j'ai connu des tempêtes de neige, etc. Mais c'est vrai que la procédure doit pas être la même avec des cyclones. Mais tu vas regarder, comme ça, on dirait pas sur l'officier en Scandinave. Vie. Elle vit, hein? Scandinavie, non. Qu'on regarde comme ça, on dit qu'on ressemble à un gâteau là, quoi. Pas rien, camarade, moi, ils ont lit tout, et puis la boutique comme ça. Donc, on m'a dit, dans le costume la neige, différencié, oh, mais sinon, ça. Le costume la neige. Oui, c'est. Où les beaux là-dedans, le costume relève, ou quoi. Donc, je disais donc que, en Scandinavie, j'ai eu affaire à des tempêtes de neige. Justement, extrêmement violente, mais... Non, monsieur le préfet, ne confondez pas, vous me parlez de tempête de neige, moi je vous parle de cyclone. Ah oui, sachez que lors de notre dernier cyclone, les vagues de la mer étaient tellement hautes qu'un habitant de la montagne s'est retrouvé avec un espadon dans son jardin. Ah oui, je vous assure... Et en tranche, monsieur le préfet. Exagère pas. Ah si. Et avec le pic devant, là, planté d'un fil à haussier, l'espadon bouché comme ça. Ah oui. C'était... Capitaine, là ça faisait un peu macabre la façon dont vous avez bouché. Non, macabre c'est comme ça. Ah. Non, je vous jure, j'ai vu ça, mais j'ai vu. Mais ce pardon était comme ça dedans. Les tranches voilées de partout. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espadon avec le nez dans la... Le bordel devant là. Le nez là, je sais pas comment ça. Avec le rostre. Voilà. Même, avec le roche. Un espadon à la montagne. Vous croyez que ça peut se reproduire? Ah oui, non, pas le capitaine, hein, je veux dire. Oui. Non, moi, n'y pense pas, monsieur le préfet, parce que moi, j'ai un camarade, et son papa était un devineur, et il a dit que cyclone il y aura, mais qu'il se détournera de notre île au dernier moment. Hein. Donc. Un devineur? Un mage, monsieur le préfet, un mage. Un mage. Bon, en tout cas, bon. Vu mon peu d'expérience, je m'en remets à vous. Je sais pas, faut-il déclencher ou pas cette alerte? Moi, je pense que oui. J'ai peur pour ma fille. J'ai peur qu'elle ne s'apprête à connaître son premier cyclone, monsieur le préfet. Déclencher. Je n'ai pas peur. Déclencher cette alerte rouge.
On verra ce qu'on peut faire. D'accord. Hein? Après, rien que la lettre rouge, vous déclenchez d'aller. Donc, ben, je vous remercie hein, de votre présence. Je vais étudier tout ça et puis je vous tiens au courant. Retournez à vos PC et évacuez vos occupations cycloniques. Et je vous tiens au courant immédiatement, dès que c'est possible. Merci. Donc, au revoir, chers collègues. L'avenir, il va mieux. T'as pas envie d'être ta petite préfet, quoi, j'aime dans mon sac. J'ai tout dit quoi comme le papa. J'ai toutes les voilées. Je l'ai retourné. Ma paix pour lui. Ce n'est que le mois. Vous êtes encore là, capitaine? Oui, j'attendais le revoir. Et ben, au revoir, capitaine. Ben, au revoir. Et par contre, monsieur le préfet, si je peux rendre au service, et j'ai un camarade qui a un très bon garage, il pourrait régler ton parallélisme. Et si tu m'as besoin, tu m'écris. Si je t'as besoin, je te crie. C'est pas avec ça qu'on va arrêter un cyclone. Hein. Oh, génie, Yacin, 48. Et même pas 7 fois 8 en plus. Oh, moi, je sais plus quoi faire. Hein. Un espadon à la montagne. Ça fait des vagues de 600 mètres de haut, ça. Moi, je veux pas faire partie de ce peuple qui a beaucoup souffert. Hein. Oh, j'étais tellement bien, moi, en Scandinavie. C'était génial, la Scandinavie. On voyait que moi sur la neige. La Lille, à grand spectacle, c'est bien parti. Hein. Il ne reste plus qu'à faire le numéro d'urgence. Enfin, j'espère qu'il y aura une réponse, hein, parce que moi, je ne sais plus donner de la tête. Ah, ça sonne. Allô, Madame Aude. Vous venez d'assister à Cyclone Story, première partie. Voici maintenant, pour vous, Cyclone Story, deuxième partie. Attends, c'est un moment, t'es. Vous voulez payer 40 000 francs, rien pour dire ça? Mais qui dit ça aussi, ma deuxième partie, là? Dans cette deuxième partie, vous retrouverez Amédée, Jean-Bernard et Colette, en pleine alerte rose, séquence émotionnement. Psst, non, émotionnage. Émotionnant. Allô? Allô? Maman? Maman, là au cap, là. Là, maman, là, mets ça doucement, là. Là. Attends, mets-toi pas une chaise, là. Là au cap, encore, maman, là. Ouais, elle est bonne. Ouais, on connaît comment elle est bonne, téléphone. Là, paye, mais dès qu'il baisse un coup de vent, il capte plus rien. Ouais. Oui. Maman? Allô? Oui, maman, on l'a entendu, on a passé une alerte rouge? On l'a entendu, alors? Ici? Ah, mon Dieu! Ici, le vent, il souffle! Comment? Chez où? C'est la pluie qui souffle, le vent qui tombe? Ouais, non, mais ça, il dépend quel endroit où habite ça, maman, ben. Qui ça, Rodolphe? Connais mon bonhomme là, comment il est là, par un temps par être, on fait croise la paix dans le parc. Hein? Ah, débrouille, Alice, à mon montant, que les croise pas avec moi. Hein? Ouais. Hein? Ah, oui. Au témoin en parlant. Où rappelle l'espèce gros là, Joe, mais la figure un pétache et codéné, mais la présente à où le jour mariage, tisois. Oui. Belle vente là. Oui. Ali même. Où connais la Joe, mais Ali? Oui, c'est lui qui a fait ma crottage pour que les lacs qui gagnent passent au permis de construire. Ah, ma connu, me partir renseigner la mairie, moi, ben. Ben, Nadia, moi. Ben, mais pas à quoi il a fait des classes terrain agricole par an ou la case pépé pour son beau-frère, il a fait lotissement. Oui.
Oui, ben, lui-même, là, c'est que m'a fait monter, ou là, l'a construit un 15 par en haut de moi, lui. Oui, il a peut-être 2 mois à l'emménager. Un grand 15, maman, très joli, ah oui. Grand, hein, grand. L'autre fois, il dit, m'a espionné un peu, moi, fais le tour, la case, ma point demi-journée. Allez, non, grand. Ben, un. Mais seulement, on voit comme il est un petit peu plus haut que, là, que moi, là, maman, eh ben, waouh, ça, il est là, il a une vue sur la meilleure maman, imprenable. Ah oui, mais envie, Ali, ah oui. Ouais. T'as le, là, pas encore, le vent l'a soufflé, quoi que ce soit, on t'a parti avec. Ben. Ah, maintenant, il a une vue sur le ciel, maman. Ah, mais comme. Ah oui, comme ça, maman, très joli, ben. Là, la pluie tombe direct dans ses yeux. Ben. Ah oui. Hein? Non, mais il est bien fait pour sa gueule, ben. Non, mais il disait, oh, il est bien fait pour son gueule. Oui. Parce que permis de construire mon frère, elle a pas gagné la maman. Mais la brûle, la bougie, vous savez. Ça, tu crois que j'ai avec mon famille comme ça, donc? Ben, oui. Non, mais la fait monter où le femme l'était avec. Tu as fait des frites, je venais un peu bel nez, là. Ouais. Oui, t'es là aussi le soir mariage, t'es fait trop de l'intéressante, maman. Quand t'es pour construire la case, là, elle t'est connue, mais t'es veillée derrière mon tinaco. Elle t'est connue, maman. Elle t'est fait exprès, t'es dit que le constructeur. Je ne veux pas de fenêtre ici, je veux des jalousies. Je ne veux pas de naco ici, je veux des jalousies. Oui, maman. Elle t'est quoi, mais t'es jalouse sans jalousie, maman. Ben, midi à où? T'as là, le vent l'a soufflé, attrape toutes les jalousies, partie avec. Maintenant, si elle est jalouse, mon naco. Oui, ben, qui ça Monaco l'a pas bougé un millimètre, maman, là, mais garde la pluie qui ruisselle. Ben, ah ben, n'ayons, fou, ça, maman, on va refaire notre nalange, ben, nalange, ça, maman, hein. Quand sa semaine dernière, elle a tiré un gros BM. Ah ouais, toute option, mais viens-nous en passer vol tout seul. Ben, maman. M'y rappelle à tout à l'heure. Oui. Allez. Monsieur le reporter, on rentre comme ça, la case de moule crie pas, donc. Ici, c'est pas Paris, ici, c'est tant ça, les guédons, nous. Oui. Où la fin arrive, la chèvre, rentrez maintenant que ça veut midi à où. Hein? Non, par contre, avant de filmer, quoi que ce soit, vraiment, il faut nous, ça fait que manger avant. Parce que moi, mon mari, ça rentrait d'une minute à l'autre, il faut que nous mange. Alors, par contre, m'hésite, aide-moi un petit peu. M'hésite entre les petits salés aux lentilles, les boucanés aux croupois, les andouilles aux haricots rouges ou les pâtes cochons aux fèves. Quoi? Vous ne mangez pas le grain? Seriez-vous grainophobe? Excusez-moi, monsieur le journaliste, je m'occupe de mon mari, d'après moi, qui va où? Hein? Montez-moi, passez-moi sur la bouche! Hein? Trop grand, le pied comme une caméra! Ouah, moi là, monsieur le caméraman, mon déraison de vivre là, c'est peuf, peuf et tcha! Ah oui! Ben, peuf, peuf, c'est quand. Waouh! On prend un gros morceau, vient de cochon, je lâche ça dans le ruisseau, c'est pêche au dos pour les gratons là! Ah, la mienne là! Hein? Mais quand il y a tel monde comme là, il mange pis gras comme ça. Non, il mange toute light. Ah oui, les générations de femmes, ils lèvent comme là, toute light. Marlboro light, chocolat light, volaille light, cochon light. Oui, il y en a jusqu'à cochon light. Vous connaissez pas comment il est? C'est un cochon, il vit dans le bac pour la poitrine. Ben, point pour une graisse. Il y a des mecs. Ben, mais pour un poids content, oui, un coup comme ça, on va la rendre un charcuterie. Il y avait une madame juste devant moi. Elle rentrée comme ça, elle dit « Eh bonjour, monsieur le charcutier, mais voudrais un rôti de porc, dépecé, désossé, dégraissé. » Mais le charcutier, elle commence à dépecer, elle dit « Eh, dépasse encore, s'il te plaît. » Elle commence à dégraisser, elle dit « Dégraisse encore. » Elle dit « Elle est bonne ?» Elle dit « Désossé un peu. » Ben à la fin, la chèvre, il y a un tranche de jambon. Ah, moi, il gagne pas moi. Ah, moi, comme il mange, il faut les gras. Ah oui, vous sent encore 3 jours après qu'on passe côté de moi, il connaît manger un cochon. Ah oui, normalement, comment on voyait bon un cochon au pays, quand il mange, vous passez un mec dans la tête comme ça. Ah oui, ben, ah mon manger, c'est important ça. Hein?
Et le tchat, mais le tchat, le tchat, c'est quand ouais, vous mettez l'huile bien sur la marmite, là. Comment ils appellent ça? Comment ils disent en France? Ça met une buisson. Quand l'huile finit arrive en buisson, là. Oui. Ça même, quand le petit bulbule, il monte en l'air comme ça, là. Là, il est bien chaud, là. Là où lâche le joignon, il fait tchat. Ah oui, là, quand le joignon, il arrache le crawl dans l'huile chaud, là. Ah, là, il sèche sur le miel. Ah oui, là, impeccable. Hein? Ah, mais ça pas dit, mais vive pour manger, mais presque. Ben, hein, Mathieu, il s'écrit, mais il lève la nuit pour manger des fois. Mon fils éveille mon madame. Mais des fois qu'il arrive, il me dit, quoi, donne-lui vite fait. Mais je suis la bouche de exorié. Ben, dis-moi, quoi, on mange? Ah oui, ah, il aime la viande cochon, mais. Ah, ma mort pour cochon. Ben, où quand je pas où? Au film seulement? Hein? Excusez-moi, désordre, le groupe, ils aiment pas ou trop? On entend moins bien, hein? Hein? Hey, on entend parler des autres? Les normales, c'est un groupe neuf, ça me vient d'acheter. Ils appellent les Silencet. Oui, le commercial, là, tu me s'appelle Silencet, mais il ne fait pas des autres. On entend lui, là? Tu fais ce couillon, il ne fait pas des autres, c'est Silencet. C'est pour ça qu'on entend pas, ouais, français, ou. Hey, mais pour un content, mais pas content. Anecdote. Mais pour un content, oui, anecdote. Pour un content, on voit ce petit groupe-là, comme ça, là, dans le dernier chicone, là. Ben, de mon décret, moi, j'ai pas sauvé. Hein. Moi, là, près de ça, c'est SD Belle-Pierre. Oui, la guerre alimente 4 salles d'opération, tu sais, Chicone. Mais d'ailleurs, le maire de la commune, il a donné la médaille d'honneur. Mais anecdote. Le jour qu'il a donné la médaille d'honneur, là, t'es dans le gros soleil désert, la Barbara soit ça. Elle m'a mis debout comme ça, au garde à vous, comme ça. Le lazur, elle sort là-bas, elle nique cette médaille. Puis, qui est au collant? Pique le médaille comme ça, là. Pique un bout de la peau de Dieu avec. Mais elle m'a pas crié, mais tiens pour ensemble comme ça. De mon cœur, elle me dit, ben, quand lui, quand va te mourir, tout autant c'est moi qui pique le cochon, ça va dire, ben, la pique à moi. Ben. Non, mais manger, c'est important, c'est dans la vie d'un homme. Et pour raconter où? Anecdote. Ouais, tu veux une anecdote? Mais pour raconter où? Ma parole, où ça donne-t-on la vie de travailler? Quand tu es roi découpé à canne. Vous dites que vous dans le sang, la patronne fait le poupette devant porter la pauvreté là-bas. Mais vous dans le temps là, quand t'arrives dans les 11 et qu'il lève manger là, t'es drame de gamelle manger comme ça, t'es découvre ça, gros morceau d'un cochon, il bouge comme ça dedans. T'es drame ça comme dans tes manches, t'es clips chicoté comme ça. Après t'es calé un bon rhum dessus, mais là après que t'es rentré dans le carocan là, t'es pas. Ah oui! Mon tout seul, mettez ça à 3-4 salauds de missionnaires. Où crois pas moi? Demande Chirik! Allez, demande Chirik! Demande Chirik! Demain, j'y ai mort, les gars, pas déjà où? Oh, j'ai. Non, si t'es vivant, on aurait déjà où, les? Ah oui, ben. Viens manger un bout de main. Hein? Déjà où? Hey, you! Viens, Chirinchet! Ouais! Chirinchet! Mec, Chirinchet! Ibi! Iyou! Ibi! Si l'enchaîne! Oui, t'as lu qu'on va mourir! Puis là, pas tout touché! Ah! Mais c'est journaliste, ouais, maman! Ah ouais, frère Rouge! Eh, à moi, frère Zone! Ben! Eh, là où, maman! Hein? Eh, s'il te plaît, j'ai des coups d'œil chez mon mari! Hein? Mais ça a été un coup le groupe parce que là, il t'a touché, t'as été un cochon partout, t'as gâté, cougnon! Hein? Bien, hein? Tu peux avec Alicia Hansen. Alicia Hansen. Anou. Yuki est là-bas. Hein? Hein, Alicia? Mais c'est n'est pas ton cher. Mais ce soir, il est bien, Alicia Hansen, ça a cassé, oui. Eh bien, c'est bien. Quand on donne le cochon partout, ça a gâté, là. Comment ça monte, ça monte, c'est là. Hey, monsieur journaliste, viens manger avec moi. S'il te plaît, viens où? Moi, mais ça va du principe que la jeune, ça les sacré. Mais vous, il fait mal à où qui garde. C'est 16h38. Je m'allais enfermer dans mon centre d'observation depuis 19h non-stop. Et depuis 47 minutes, au qui courant. Au qui téléphone, au qui internet. On est coupé du monde. Tout ce qui reste à moi, c'est mon petit dictaphone et la radio à pile.
avec un radio à pile. Alors, impossible d'avoir une information sérieuse, je ne peux pas, elle n'est pas possible, la radio est bloquée sur Freedom. On ne m'entend rien qu'à Cuyonis. On a un madame l'a téléphoné. Pour dire à l'animateur que dehors, il était mouillé. Le bourg prend la peine de répondre à lui. Il dit, madame, c'est normal, c'est parce que la pluie tombe. Mais c'est pas un baisement, on a fait comme ça, hein? Mon pays, bateau fou, où ça cyclone ira la nous? Alors, il se passe rien que ça même, c'est Freedom. Alors, on a une autre madame à téléphoner un petit peu plus tard. Plus en colère, plus pas content encore. Au bord de la crise de nerfs, moins 5 qui se suicide parce qu'elle a loupé un épisode de Marimar. Ça fait un baisement, une affaire comme ça. Mon pays, bateau fou, où ça cyclone ira la nous? Là, tout ce que m'y connaît avant les coupures. C'est que Hawaï l'avait dit que cyclone te passe à l'est de l'île Maurice. Floride l'avait dit que le cyclone te passe au nord de la Réunion. Et moi, d'après mon bon calcul probabilité, il pense que Dino va pas sur la Réunion. Et il devrait même rentrer par la rue Jacob. Mon pays, bateau fou, où ça cyclone ira la nous? Alors, tout ce qui reste à moi à faire, c'est observer à travers la vie de ce qui se passe. Alors, t'es là, ma vu un petit marmaille, 10-12 ans, pas plus, petit marmaille comme ça, qu'on jette calé, bon de merde, t'es avec deux roches dans le poste pour pas le vent, ça va exode. Hein, mon pays, bateau fou, où ça, cyclone, ira la nous? N'est pas fini, moi, viens, même pas un bouc, un pauvre diable passé. Un vieux carouéjeune, un sachet plastique sur la tête. Il voit si son figuier elle est marqué, personne il veut pas de lit, il est marqué si son figuier, la société la rejette à lit. Le vent la rejette à lit. Moi viens feuilleton l'arrivée, le feuilleton l'a évite à lit. Il tient où? Il achète son camp, la mer la rejette à lit. Mon pays, bateau fou, où ça cyclone ira la nous. De honte, il estime le vent au moins 300-350 km/h. Mais un garage, il sonne devant moi. À moins que c'est ma case, il monte. Ah, mon pays, bateau fou, où ça cyclone ira la nous. Ah, tic tac! Il y a un chien, il est attaché avec le garage. Ah, mon pays, bateau fou, où ça garage ira le chien là. Non, mamie, dis-vous, franchement, hein, pas vraiment besoin de diplôme pour faire ce que vous faites, présenter comme vous faites la mansignette. Ben, la gagne de l'argent, mais maquille à moi, mais présente moi-même. Vous gagnez présenté? Bien sûr, mais gagnez présenté. On va vous présenter. Mais bien sûr, mais parce que vous pensez fait comment? Mais bien sûr, c'était comme ça, à battre deux textes. Hein. Ben, t'as l'air, on présente Marima, tiens. Chiche. 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 On va faire une belle place. On va présenter Marima. On va y aller. Oui, mais présente, oui. Attention, on plante, on peut dîner n'importe que ça. Oh, c'est ma plante à moi. Mais elle est bon, laisse-moi voir travailler, Esther. Retrouvons maintenant la troisième partie de Cyclone Story. Le temps pour nous de retrouver nos amis policiers, ainsi qu'une bande de copains qui fête un anniversaire en pleine alerte rouge. A tout de suite. Zagua Centrale, Zagua Centrale. Venons de faire l'inspection de l'avenue principale. Pas de badaud ni de badal en vue. Apparemment, tout le monde a respecté l'alerte rouge. Ils sont restés chez eux. Ouais, rien à signaler. Alors? Je vais faire un tour. Faites un tour, dépêchons-nous. Dans quel sens, chef? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Dépêchons-nous. Ah. Regardez s'il n'y a rien à signaler. Ah. Allez-y, gars. Ah! Elle est con ou quoi? T'es con ou quoi? Mon chef. Qu'est-ce qu'il y a, gars? Derrière le pied de bois, en face. Hé, vous là-bas, derrière le pied de bois! Arrête là qui va là! Première consommation! Sommation! Bien, c'était pour savoir si vous suivez. Deuxième sommation! Ouais! Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture? Et vous là-bas derrière le pied de bois, acte là qui va la première sommation.
Mon chef d'Archangel. Il vous demande si vous avez une autorisation de la préfecture. Comment? Bien. Chef. Ouais. Il a son autorisation, c'est un caméraman, il filme des images. Ah, il filme des images de nous? Oui, chef. Oh là là, on va passer la télé, là? Oui, chef. Alors, on est assez beau, là? Moi, oui, ouais, chef. Ouais, ouais. Eh, vous savez, hein, faites attention. Vous êtes beau, chef. Merci. L'autorisation de la préfecture, ça ne cale pas les tolages et les branchages qui volent, hein, dans les cyclones. Hein. Non, non, faites attention, car il y a des gens qui ont perdu leur tête comme ça. Hein. Après, ils viennent porter plainte, c'est pas facile pour retrouver. Hein. Alors, ouais. Comment s'appelle votre émission, là? C'est un reportage sur un... Ah, d'accord. C'est un reportage? Ah ouais, 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 mais bien sûr, vous pouvez nous filmer, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Hein. Ouais, ouais, là, comme vous pouvez le constater, nous venons de faire une inspection de l'avenue principale. Nous voyons s'il y a des badauds ou des badales qui traînent. S'il y a des badauds ou des badales, ils sont répréhensibles d'une amende de 150 à 180 euros, quoi, nonobstant. Hein. Ouais, ouais. OK. Le chef. Oui. Ça s'appelle comment, l'émission, là? Comment? Cyclantoride. Oh là, c'est érotique, ça, là! Chef, Cyclone Story, chef. Ah, c'est Cyclone Story. Oh, j'avais compris que c'était là, ta qualité de film. Ouais, ouais, chef, j'aime ça, ouais. Il y a une boîte de grimaces dans votre dos. Ouais, ouais, bien sûr, vous pouvez nous filmer, ça, il n'y a chef, pas... Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Il y a de l'argent à prendre dans votre dos. Procédez à son interpellation. Zagopin central. Allons procéder à l'interpellation d'un individu de type 4, d'1m80 environ, déambulant sur la voie publique, vêtu d'un ciré jaune et d'un pantalon manche courte. Oui, individu qui déambule en ingurgitant une boîte d'amuse-gueule. Oui, je dis bien d'amuse-gueule. On ne sait pas si ce sont des puces taches ou des cacahuètes. Attendons confirmation. Allez-y voir. Dépêchons. Oh, c'est... Attention. Qu'est-ce que je lui dis? C'est bon, demande à lui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, gars? Pisses taches, chef, car ses dents sont vertes. Zagouin central, apparemment ce sont des pisses taches, car ses dents sont vertes. Ok, c'est... Oh, c'est bon. 5 sur 5. Comme vous pouvez le constater, monsieur le caméraman, là, nous allons demander à cet individu de type cagnard de nous décliner son identité. Individu de type cagnard, quelle est votre identité, chef, je vous prie? Chef, faites attention, il y a les caméras qui filment et nous privilégions le dialogue. Oui, bien sûr, nous privilégions le dialogue. Hein. Le dialogue. Oh, le dialogue, hein. Ouais, ouais, nous ne sommes pas des méchants quand même. Hein. Ouais, donc là, je vais demander à cet individu, à ce jeune Badal, de nous décliner son identité. Quelle est votre identité, je vous prie, jeune Badal? Ben, mon pantalon, il crie à moi Satupé. Satupé, ce n'est pas un nom, vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Ouais. Vous répondez correctement à l'agent Xena, s'il vous plaît. Sinon, c'est outrage et je vous emmène au poste. Parce que Xena et Dark Angel, c'est le bon prénom, ça. Quoi, y'a un problème, hein? Non, 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 moi, c'est Satupé, moi. Satupé, mais que pas, mais c'est venu impossible, vous connaissez pas, quoi. Oh, ça va, arrête de boire l'alcool, t'as connu la limonade. Oh, 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 oh. Chef, ma caméra, chef. Donc là, comme vous le constatez, nous privilégions le dialogue, hein. Donc là, je vais demander à Satupé. C'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi vous déambulez sur la voie publique en alerte rouge? Un peu le dos, alors, ouais, depuis mon peu le dos, il traîne là, il me dit, fais ça comme il peut, quoi. Tu n'as pas de loto? Vous vivez dans votre véhicule ou quoi? Non, la santé, mais moi, pilote. Moi, je suis commercial, moi. Comprends là? Je viens le tour, je suis commercial. Mais je m'en appelle mon loto. Je perds mon travail, je m'en appelle mon travail, je perds mon argent, je perds mon loyer, je m'en appelle mon femme. Ah, il a tout perdu. Hein. Ouais, apparemment, il a tout perdu. Hein. Mais il m'a pas plainte pour tout ça, c'est moi. C'est bien. Ah ouais, c'est bien. Allô? Mais on va faire rien en attendant. Ouais. Comment? Il est intéressant dans le cyclone, là. Chut.
Oui. Un cambriolage? Vous éloignez votre gueule, s'il vous plaît. Un cambriolage? Où ça, gars? Sur l'avenue principale? Nous y sommes. Bon, nous y sommes. C'est là-bas. Ouais. Ils sont combien? Ah, ils sont 6. Ah ouais, c'est pas possible, on n'est que 2, nous, là. Ouais. Ils ont quoi comme véhicule? Un 4x4? C'est pas un là, c'est des baisers. Ah non, là, il déconne, là. On n'a qu'une kangou, nous, hein? Ah ouais. Et c'est quoi comme magasin? Un magasin de sport? Oh, en plus, c'est des voleurs sportifs, hein? Oh là là! Ça se trouve, il y a des boxeurs dedans, oh là là! Bon, ben d'accord, on va voir ce qu'on ne peut pas faire, hein? Ouais, bien sûr! Ouais, ben on verra ce qu'on ne peut pas faire, hein? Ouais, d'accord, 5 sur 5. Oh là là, ils sont 6, apparemment, c'est des sportifs, hein? Non, chef, et puis de toute façon, il est 35 heures, une minute! Exactement! Ouais, comme vous pouvez le constater, monsieur le journaliste, hein, il est 35 heures passées de une minute. Là, c'est notre dépose. Nous avons une minute d'heure supplémentaire. Nous avons une minute d'heure supplémentaire. Nous respectons les horaires de travail des autres. Là, c'est les voleurs qui travaillent. Nous, on se repose. Voilà. Et on va voir ce qu'on ne peut pas faire demain ou après-demain. Hein. Bien, chef. Ouais, ils sont déjà partis et puis voilà, ça va s'arranger comme ça. Hein. Ok, centrale, 5 sur 5 aussi, on va rentrer. Hein. D'accord. Ok. Sur ce, à la prochaine, hein, monsieur le caméraman. Hein. En parlant de rentrer, vous dire, râle-moi exact quoi. Oh non, on ne peut pas vous emmener, vous. Hein. Non, par mais contre, malgré ton cachot, pas grave. Hein. Oh, ça va, toi. Il hein? Faut mettre au chaud, quoi. Eh, le vent est en tête et la pluie te touche, là. Non, chef, je ne répondrai pas de ce geste. En barcon, j'ai dit. Oh, en barcon, j'ai dit. En barcon, moi. Chef. En barcon. Qui commande ici, donc? Dernière sommation. Oh. Allez, dépêchons. Mettre mes notes ici, s'il vous plaît. Alors, même bien qu'il y a tâche à moi, pas fouillé. Hé, hey, viens dans mon cachot si tu veux. Ou bien, donc, madame. Donc, cachot, peut-être pas, ça peut-être pour une autre fois. Ce soir, j'ai juste besoin de grappe. C'est Cyclone, elle est au rouge, le vent est en guette, rabibou coule partout, ouais, radié, submergé, ouais, d'accord. Et ouais, votre patron, il veut où vient travail. Voilà. Et où veut aller vraiment? Quand tu cases! Non, monsieur, reste sous case. Qui commande ici? Hein? Qui commande dans l'entreprise d'art? C'est GTA qui commande! Voici je casse, tranquille, ok pour madame, ok pour maman, ok pour patron. Chacun son travail. Reste sur casse, nous lundi matin, dès que maintenant il lève la lettre, nous fait lève le vent dans son bureau là-bas. Nous leur fait pète cyclone dans son bureau. Vous inquiète pas pour ça, l'écrit noir sur blanc partout, nous connaît les textes. Allez, camarade, tiens-moi ensemble. Inquiète pas pour ça. Si j'étais éveillé. Ah, un syndicaliste, comment il repose jamais, même pas le jour de son anniversaire. 45 ans, je dis, mais ton camarade pouvait la fête toute, mais Mireille, bon, pas de problème, syndicaliste. C'est ça. Pas de repos, jamais. Ah, il ne peut pas se passer comme ça, mais pas possible. Laila. M'y sent un monde que les contrariés ici en dedans. On dirait c'est moins ça. M'y peut voir ce que l'arrive à où? Ouais, ouais. Là. Juste une minute. Allez, où? Alors, en fait, ce que m'y arrive à sentir, hein, m'y voit un problème climatique, à mon avis, peut être lié à l'alerte rouge. M'y voit un employé. M'y voit un supérieur hiérarchique, bien au-dessus de lui, à mon avis, il doit être un président, directeur général, quelque chose. Et
m'y voit une obligation que les à contre-cœur. Hein. Et m'y voit un téléphone. Est-ce qu'il correspond à ce que vous l'avez connu? Hein. Ça va? Ça va? Ouais. Ça va? Oui, 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 non, oui. Oui, il y a un employé, téléphone à moi, la patronne veut retrouver travailler dans la lettre rouge. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais inquiète pas, inquiète pas. Va trouver une solution mardi matin à ce problème-là. Mardi matin? Oui. Au patron grand, là? Non, 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 n'attends pas mardi matin, nous. Lundi matin, nous faisons pas tout. Ah oui! Lundi? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, en effet, pardon. D'ailleurs, lundi, vois bien où ça gagne de roche de front. Mais ça sera bien recousu, va faire un peu albator après, mais ça sera recousu. C'est un bracelet en grain, vraiment. Enfin. Dans tout ça, on a quand même une bonne nouvelle pour annoncer à moi, parce que on a bien vu que les astres étaient de mon côté ce matin. Une bonne nouvelle? Marlène n'y vient pas. Ah, oh, Marlène n'y vient pas, vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle. Tout simplement parce que Marlène, c'est une fille, fait trop comme Raja dit, l'a fait, et n'aime pas ça. Et en plus, elle y passe son temps à comparer son corps avec les miennes, et ça y est, gaz à mon plus haut point. Il ne veut pas cette comparaison, votre corps avec les miennes. Non, c'est vrai, il arrange à ça, ça. Mais réjouis pas trop vite quand même qu'elle vient pas, hein. Ah ben, c'est un qui devient même coca, hein. Regardez, pour l'anniversaire, pour rien pour boire. Hein. Écoute, pour le coca, mais guère à pas faire grand-chose, parce qu'on connaît à moi avec mes histoires de régime et tout, ma pointe de boisson comme ça à la maison. Par contre, si on veut, madame nos gazeuses, hein, éventuellement. Saint-Thieu, Richie, Célestin, c'est là. L'eau gazeuse, du coup, pour fêter l'anniversaire. Ouais. Non, ben, elle est chouette, l'original, quoi, on dirait. Ouais, ben, fais pâte l'eau gazeuse, on va mettre du sucre dedans, on va faire une limonade. Ok. Très bien. Léla, là, pourquoi arriver, quel miracle? On va pas croiser d'ascenseur? Tu risques pas, l'ascenseur, il fonctionne pas. Ah bon? Les digicodes? Même pas. Ah, au fait. Comment? Merci d'habiter au 6e étage pendant que mon rez-de-chaussée, c'est ma gamme, mon compte pour monter. Ouais, ben, il fait faire des sports un c'est peu. C'est vrai que la travail est un peu mémolée. Ouais. C'est vrai, c'est faut vrai. Faut encore travailler, ce mois. Hein? Il dit, faut continuer comme ça. Oui, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est vraiment une résidence de fou en ce moment. Hein. Ah, moi, d'accord. Pas d'ascenseur, digicode qui fonctionne pas, ça m'y arrive à comprendre. Par contre, on a un trou énorme dans le portail. Et moi, là, vu le voisin du dessus, saute le portail ce matin. Vous pouvez expliquer à moi? On a un trou dans le barreau et il saute le barreau quand même? Mm. Ben, on a un trou dans son tête aussi. C'est logique, c'est logique. Bien, il redescend, ouais. Il s'apprend de l'eau, il récupère les lins et il remonte. Et on voit les lins en montant. Okay. D'accord. C'est là-bas? Ou pas pressé? Ah, non, viens. Jean-Hervé, viens, on voit des ondes positives. Ah, les positives, on m'a pas vu, excuse. Sois zen, mon ami, ouais, je ouais. Reviens. C'est bien la zen. Vous pouvez pas garder un peu pour vous? J'en ai beaucoup. Là, ça m'a un petit fond le bénit, ma washi. Mais fin d'affaire, ouais. Regarde, moi, c'est une résidence de fou. Tu es une résidence de folle. Ah, le plus grand folle est pourquoi arriver. Il m'entraîne dans les carreaux de bois, il m'entraîne. Salut, Jérémy. Salut, Léla. Joyeux anniversaire. Merci, Léla, c'est gentil. Tiens. Merci. Ah non, le bisou, moi, allez. Ah, mais non, mais garde le cadeau, pas grave. Allez, le bisou. Personne ne va parler, le bisou. Une fois, allez. Le bisou, le. What on m'a dit le. Ouais, what le. Non, tu m'as dit un S avec. Ah, ben, ouais. Ouh là là. Fallait pas, hein. Mais non, c'est le geste. J'espère pas aimer. Ah, ben là, sacrée bonne idée, hein. Aïe, 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 il y a un poster à Georges-Marie Lépinay. Oh. Ma fille m'a monté de somme toute la ville, vous trouve ça? Ah super, merci beaucoup. Hein. De vraiment, rien. Vraiment, elle m'y attendait pas quoi. William? Ah, m'y adore. Et ça met ça dans ma chambre, à côté de Che Guevara. Oh. Alors, ça, deux personnalités, il va bien les avec mignons. Ça. Mignon. Au fait, excusez-moi ma fille, mais pas jusqu'au calendrier de la pistache à la bague. Oui, passe où ça au vœu, mais appelle pas moi ma fille s'il te plaît. Ma fille ou ma fille? Ouais. Ma fille, excusez-moi alors. Non, non, c'est l'habitude tout le temps au bureau, tu m'as dit que tu es tout ça, mais dis ma fille, oui. M'a crié mon loup. Allô?
Ok, mon loup. Alors, hé, vous connaissez ça, Ribaloum? Gros Ballon, il habite 7e, là? Oui, Gros Ballon, il habite 7e. Ma fille connaît depuis semaine dernière, pardon, mon loup. Merci. Mon loup connaît depuis semaine dernière le portail électrique, déconne. Alors, figure ce matin, quand il traverse le portail comme ça, le portail a refait subitement son ventre, il y a l'esprit dedans. Oui, il a fait pitié. Depuis que j'appelle le pompier avec matériel désincarcérateur pour t'y aller dedans. Désincarcérateur. Oui, oui. Ôté, t'es fait pitié. Ôté, le pompier, il tient le portail. T'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Ma fille, comment avec le pompier, ma tombe dans les pommes. PS, on ne peut pas faire contact avec mes oranges. Ma fille, t'es fait pitié vraiment, hein. Pompier de génie avec, comment on appelle ça, chalume chaud. Oui. Après, j'allume chaud, découpe le portail. Chut. Ah, il y a que chalumeau, là, tu fais avec. Mais les frais, chalume chaud, il brûle ça. C'est brûle. Hein, où ce Ballon, là, hein? Est-ce qu'il est dans le syndic propriétaire, au moins, Aline? Ah, ma fille, il me connaît pas, moi. À chaque fois, ça va à Réunion, moi, j'ai jamais vu Aline. Moi, jamais vu les réunions. Mais c'est parce que lui vient pas. Ben, il n'est pas dans le syndic propriété, hein. Ah, écoute, il me dit ça tout le temps, les là. Les vrais, tout le temps, quoi, dis-nous. Quoi, il me dit ça tout le temps, les là. Les vrais, tout le temps, quoi, dis-nous. Tout le temps, pose ma question. Demande là-haut. Tout le temps, quoi, dis-nous. Tout le temps, il me dit ça, les là, un syndicat. Tout le temps, dis-nous ça. Syndic azote, maman! Syndic azote, tout le temps, tiens, nous pourtant. Qui sait sa bataille pour son blessé l'estomac là? Ah, ma fille, pas moi, maman qui n'a pas bataille. Mais c'est prête la moune, pas la guerre. Vous savez, j'ai fait un geste, m'aller voir à l'hôpital. S'il y cotise, bon, on va voir qu'on peut faire. Mais les boucs n'écoutent pas, jamais. Mais tiens, elle est là. Salut! Ça va? Ma part de chef Chao, ben là, c'est mon défi. Vous la refait? Ma tête est faite, peut-être. Mais non, plaisant. Ouh, susceptible, tu as fleur de peau. Salut. C'est ça? Oui, ça va. Vous les belle. Oh, merci. Vous tirez le jupe noir. Ouais, ça m'a dit depuis l'année dernière. Mais pour une dernière, elle avait dit à moi. Elle m'avait dit que cette année, ce serait une année avec des couleurs de tissu très sombres, du bleu nuit, du noir. Vous l'a commandé de ces couleurs? Oui, mais elle a commandé une camionnette Z-Top, elle est encore bloquée, Madagascar. Ouais. Parce qu'en fait, m'explique à vous. Par contre, vous pouvez porter du noir. Mais... très kitsch, j'aime bien. Merci, mais pour pas que ça fasse trop triste, en même temps qu'on porte du noir, il faut couper avec une petite couleur pastel. Il faut trancher, quoi. Voilà. Vous t'aimez bien dire Tio? Oui. Ma fille, mon dieu. Mais dans le tirage élastique d'hier, là. Oui, imaginez moi comme t'es petit. Mais t'es élastique dans le maillot, mais flash petit oiseau. T'as pas le mot le bon vieux temps. Avec le gros maillot là, on devait tuer papang. Ah. Avec le sion. Avec le gros maillot. Pardon. Tiens, Jean-Hervé, il est vraiment pas grand chose. Mais vraiment, il vient vraiment, vraiment. C'est le geste. Il te présente Ali mes vœux. Oui, présente tes vœux. Il vient vraiment du fond du cœur et puis. Je te le souhaite d'avoir un joyeux anniversaire. Ah, ben bisous. Merci. C'est quoi? Mais attends, c'est quoi? Attends. C'est quoi? Attends, excite pas ou tout de suite. T'as excité mon cadeau? Vous l'excitez tout quoi tout le temps? C'est quoi? Mais attends. Vas-y. Comment expliquer comme ça? C'est comme une corde vocale, c'est mon instrument de propagande. C'est le prolongement de ma lèvre. Oh! Comme si j'avais besoin. Enfin, quelle image dessus, s'il ne m'avait pas lu. Il plaît à vous? Ouais, super, merci beaucoup. Donc, hein, c'est ça vraiment... met ça à la poubelle, débarrasse un petit peu. Bah, ben, bisous alors. Allez, bisous. Eh, pas gagné tout ça, bisous là, mais... Viens m'embrasser avec ma lèvre, si vous voulez. Non, allez, bon, ramasse toute lèvre. Dérange pas. Eh, bien que ça même de monde. Ouais. Bah ouais. En tout cas, super bonne nouvelle, dis à ou bien que Marlène, il vient pas. Ah, pas grave. Trop valable, petite femme là, il y a un commérage là, dis la fée. Vous t'avez préparé que vous. Hein? Mais j'ai une idée, elle y a un commérage. Et qu'on parle quand, et qu'on parle quand, là, mais pas ça, n'aime pas ça. J'ai tout la voir avec les scènes hein? Là. Non, mais j'ai le vrai la scène là. Oh. Et rien, ça me demande. Bah. T'es aux femmes, j'avais pas. Non. Et Jean-Loup. Jean-Mi non plus. Et Calou. Pas de Calou. Calou, il vient au moins. Non. Faut être à l'alerte rouge, mon cher ami. Mais figurez-vous que c'est Calou m'avait choisi pour dépendre mon conteneur. En fait, si le conteneur est joué, il arrive. Hein.
Il doit arriver quand? Ah ben, tu, non, il fait 3 mois, il doit arriver. Ah bon? Tous les mois, demain, fin du mois, il arrive. Non, ben, j'espère pour vous, pas fin de ce mois-ci, en tout cas. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, n'a pas rien et pas ce pauvre. Non, il passe prêt à vite grave avec mon docker. Encore? Il passe pas. C'est comme ça, ferme là. Mais oui, mais pourquoi le conteneur reste bloqué aussi longtemps? Mais ma fille, figure, mon conteneur est bloqué Madagascar, il fait 3 mois. Oui. Alors, quand Ravalo Mana, il te débloque, Ratira qui te bloque. Quand Ratira qui te débloque, Ravalo Mana, il te bloque. Ah, mon mec est pute, mon essai, si continue comme ça, je suis obligé de licencier. Ma patisse, ça m'a dit recenser. Bon, non, du coup, la tienne. Mais tu recensé. Renonce jamais ce mot-là dans ma case, hein. Surtout pas en présence de Georges-Marie. Ou pardon, Georges-Marie. De toute façon, pour licencier, il faut déjà employer légalement. Ah, excusez-moi, il est légal parce que, vu qu'on est bien banal depuis ton petit, ça grandit quand même. On a bien compris, comme il veut dire. Au petit couturier, coup de noir, là. Excusez-moi, de petit couturier, coup de noir, soit disant comme il dit là. De donner un petit ab, hein. Alors, arrête un peu, dis n'importe quoi. À quoi ça pour tout le monde en ville, là? On a un couturier, coup de noir. Mais que ça, vous croyez, on a pour faire où, là? Nous sommes dans la rue, côté un pied, nous trappes arabes, hein. Pas rien, nous sommes, nous sommes. Un peu de traverse, nous, là, oui, côté père ou mien, vous, là. Ah, le temps où arrive, il déménage. Je passe l'autre côté. Plaisante à où? Plaisante à où, Benon? Enfin, Benon. Rire à où? Mais moi, comme un tombe si où, là, m'a fait mal, là, où crois-moi? Tombe si moi, peut-être, mais fait mal à moi, je sais pas. Ouh là là! Oh, voilà! Arrête un peu, ça, de tout temps, ça pour aller pousser c'est comme ça. À chaque fois, nous réunions, nous trois, tout le temps, l'année, commérage, travail, syndicat, et ceci, cela, ils nous avancent pas. Bien sûr, c'est l'anniversaire, allons, faites un peu ça, je sais pas moi. Déjà, l'anniversaire, nous chante Happy Birthday. Bien sûr. Allez. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jean-Hervé. Happy birthday to you. Tiens, vous pouvez boire un peu de l'eau? Ah non, ma fille, mais sans eau. Ah non, regarde, ma souplesse, mon regard. Mais sans eau. Tous les matins, j'ai un petit verre soupine, rends la souplesse. Enfin, tiens, Jean-Hervé. Tout prénom, pareil. Tiens. Voilà. Santé, bonheur. Allez, santé, bonheur. Allez, et musique. Ouh, là, ma morceau, ça a l'eau. Il n'est pas croisé de couleur. Tout le monde va pas mon pied, c'est comme ça? Non, c'est ça. Dans notre cadre, ça fait comment, hein? Ah, moi, de toute façon, madame Marre, à chaque fois, il vient ici, c'est toujours la même ambiance. Mais bien pu. Il y a un peu de camarade aussi. Mais pas chez nous. Comment qu'on est, là? Comment qu'on est deux fois? Ah, moi, il est moi, parce que mes autres, franchement. Hein, vous allez tout en train de plaindre à Zot, mais moi et ma vie qui s'y occupe. Zot, bien que tout Zot allait être rouge et tout Zot bon problème de conteneur là. C'est rien à côté des tempêtes que les élèves gagnent à moi chaque jour. Là où ça va pour la prochaine rentrée scolaire, comment baisse-moi ça pété là. Mais quelle rentrée scolaire? Avec le calendrier de merde que l'éducation nationale a mis en place là, on rentre pas comme là où rentrer les décalés jusqu'aux prochaines vacances. Mais j'avais pas grand chose. Ouais. Ça, tu penses peut-être qu'il décale la date de la rentrée comme ça maintenant? C'est pas moi. Pour toucher la date de la rentrée, messieurs. Oui, non. Bref, monsieur. Hein? Eh bien, il faut que le proviseur y appelle chaque élève de case. N'importe quoi! N'importe quoi! Celle-là m'a jamais entendu. Proviseur, ben chaque élève de case. Tout à fait. N'importe quoi, ma fille.
cause comme ça, l'école provisait jamais pour la manacale. Eh bien, peut-être qu'on n'a pas parti assez loin l'école pour avoir un proviseur. Tu es tellement faible, tu ne pouvais même pas répondre. Où les faire? Ah, où les faire, l'école? Quoi? C'est M2 pour un proviseur, ça. Ah, occupe pas où? La pointe. Quoi? Pourtant, tu ne connais pas, moi. Maintenant, pour jongler entre le calendrier climatique, le calendrier des élèves et le calendrier des raquettes, les plus possibles. Mais elle a fini de dire. Parce que Misson, moi. Alisson, elle avait dit ça. Laisse Alisson, vous connaissez pas qu'Alisson. Quand on les Capricornes, ascendant poisson, et que Vénus y aligne avec Jupiter. Ça les voit ça. Il ne faut pas prendre de décision à la légère. Le mardi matin à 7h46. 7h47, tu peux. Mouin. Moi, elle a téléphoné au siège du Parti Socialiste à Bas-Paris et moi, elle a dit « Monsieur Jospin, attention, attention. Sous-estime pas où t'as le VSM, mais nous, on la raccroche dans ma gueule, la rue doit dire un petit café de médium, la réunion, que c'est connaît à la vie. Regarde aujourd'hui. La gueule donne nez. C'était où ça, alors? C'est moi, la téléphonie. La vie, elle les connaît vraiment. Bien sûr. Ou tout encore? Eh, ma fille, avec une bonne prédiction, tout ça. Excusez-moi, maman, je te parle. avec une bonne prédiction, tout ça, là, hein? Ouais. Ok, alors, cyclone, viens, viens pas. Le cyclone? Oui. Moi, m'y sens les choses. Laisse-moi sens. Oui, ça, c'est mon pied, mon collant, mon basket. Il sent trop vite, trop. Le travail est trop gros. On veut venir regarder pour le cyclone? Oui, sans les coups. Mais peu. Vas-y, peu. Oui. Mais sans dérouler, concentration. Par contre, quelques petites minutes de concentration. Chut, et si on t'est. T'es pas là, t'es là-haut. En vrai, ça. Ma fille, parle le chien à moi en poison. Disons de faire mon cobaye. Il m'a mis du cobaye marron blanc, il fait comme ça, la guerre en crise. C'est ça, pété. Ça a pété. Ben Laden l'a attaqué. Aïe, pète. Aïe, ça va? T'esquives toujours quand c'est hyper. Alors, pour ce cyclone, mais bien simple, mi voit du noir. Écoutez, non, tu vois, gueule, t'as brûlé vraiment, ouais. Mais non. Elle y voit, elle a vu. Elle a vu. Non, mais elle a vu. Non, mais attends, mais c'est Mars qui vient aligner avec Jupiter, tout simplement. Quoi, là, on l'a vu ça, là? Oui, on l'a vu. Eh, ma fille de bon alignement, Mars, Jupiter avec Janus, tout ça, là, hein? Ça? Janus. Ah. Allez, pardon, excusez-moi, j'ai lu ses camarades à moi, le gars est plein de tellement, le gars qui est planète. Hein, de bon aliment, Mars, Janus, Jupiter, tout ça, hein. Ok, pas dire, moi, c'est mon côté nerveux, hein. Hé, c'est quoi ça? Oui, pas besoin de la main comme ça, c'est mon lampe de poche. Ah, c'est bien ça, là. Nous sommes le 23 janvier. Le cyclone Dino n'a rien épargné. La Réunion se réveille, meurtrie. De mémoire de Réunionnais, on n'avait plus connu pareil désastre depuis très longtemps. Chacun tente de se remettre, mais malheureusement pour certains, Dino, qu'on retiendra comme étant le cyclone du siècle, aura causé un traumatisme. Merci.
La degré est 51,3 degrés sud. Et la route par la rue Jacob même. 20 degrés S, 51,3 degrés sud. Par la rue Jacob. La tête est chère. Voilà, c'est la fin de cette Cyclone Story, la fin de ce Les yeux dans l'œil. Le temps pour nous de remercier nos amis reporters qui ont ramené ces images et qui ont fait preuve d'un stoïcisme et d'un professionnalisme exemplaire pour nous ramener des images qui, je l'imagine, n'ont pas manqué de vous vous êtes émus. Le temps aussi pour nous de remercier ces trois héros de cette tragédie, Colette, Jean-Bernard et Amédée. Nous allons d'ailleurs commencer par Colette, que nous allons retrouver en direct, en duplex, à l'île de la Réunion. Si la technique le permet, la voilà. Bonjour Colette. Oui. Bonjour Cosette. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous restera de ce cyclone? Comment? Ce qu'il vous restera. Ce qu'il me restera de ce cyclone? Eh bien, il me restera des piles alcalines. Oui. Des piles... Char, 27 boîtes de tomates en boîte, ainsi que des saucisses aux lentilles, des pâtes cochons aux fèves. D'ailleurs, je tiens à vous faire savoir que je revends ces conserves ainsi que 25 boîtes de tomates en boîte, oui, moins chères qu'au supermarché. Et pas... j'ai ici eh bien, un stock énorme de grains. Oui, on va pas s'attarder, merci. Merci. On, va... on a du mal à l'arrêter, notre amie Colette. On peut l'applaudir d'ailleurs, Colette. Allons maintenant retrouver Jean-Bernard, si la technique nous l'autorise. Jean-Bernard, en direct de La Réunion. Voilà, bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir, excusez-moi, t'entends pas ou bien? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, bonsoir. Jean-Bernard. Voilà. Êtes-vous toujours un spécialiste du massalé, cabri, porc, cochon? Le massalé de viande, alors, c'est toujours votre affaire? Ce massalé de viande. Oui, oui. Ah, non. Ah non, moi, la viande m'est dégoûtée, la viande. Ah. Comme elle avait végétarien. Ah oui, comme elle me fait massaler les légumes. Ben quoi, quand on soit des légumes, ma partie fait mariage, ma partie est mariage végétarien, massaler, tu m'as préparé. Quoi, moi, la mariage, fait les 12 stations. Oui, mais on va pas s'attarder sur les mariages, on a déjà une autre dose, merci. Allez, allez. Voilà, au revoir Jean-Bernard, on peut l'applaudir. Il nous reste à retrouver cet étudiant qu'on a vu extrêmement choqué à la fin du reportage. Amédée, dans quel état est-il, Amédée? Eh bien, il est en pleine forme. Voilà, ça fait plaisir à voir. Amédée, êtes-vous toujours un spécialiste des cyclones? Un aficionado des trempettes tropicales? C'est toujours votre affaire, tout ça? Ah non. Après avoir vu les traumatismes subis par la nature, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer au reboisement de la planète. Eh bien, en voilà une bien belle cause, Amédée. Alors, dites-moi...
Qu'est-ce que vous plantez Vous plantez quoi exactement en ce moment, par exemple? Je fais dans les plantes médicinales. Les plantes médicinales. Oui. Pas de gros plan. Merci, merci. On va laisser Amédée à ses plantations. Voilà. Et on peut l'applaudir. Cette fois, les yeux dans l'œil touchent bel et bien à sa fin. Il me reste à vous rappeler que si vous n'avez pas pu, bien sûr, enregistrer cette émission, la cassette et le DVD sortiront très prochainement et qu'une partie des recettes sera reversée aux sinistrés socialistes. Aux sinistrés du cyclone Dino, bien sûr, vous aurez rectifié de vous-même. Je vous laisse maintenant en présence de notre chère amie Tania, qui a pris le pari de présenter la suite des programmes, alors, puisqu'elle croit pouvoir s'improviser comme ça, bon, qu'elle y aille, en direct de la régie. Hein, donc moi, je vais aller la rejoindre derrière, parce que je ne veux pas louper ça, bien sûr. Alors, je vous dis de rester fidèles à nos programmes, et je vous laisse avec Tania. Hein, allez, à bientôt. Et maintenant, chers téléspectateurs, votre épisode manquant de Marie-Marthe. Aujourd'hui, Sergio et Marie-Marthe ont rendez-vous chez le père Porès. Que vont-ils y faire? Mystère. Vous aurez la réponse dans la suite de quelques instants. Bonne soirée. Donne-moi la force et le courage pour conseiller Sergio et Marimar qui voudrait que m'uniazot pour le meilleur et pour le pire avec une bénédiction. Hein? Espirito Santos, Santa Maria, Amen. Espirito Santos, Santa Maria. Ma cause est que le père est en salé pour refaire catéchisme. En attendant, Seigneur, pardonnez-leur. Spiritus Sanctus, Santa Maria. Je vous les amène. Sergio et Marimar, rentazot dans la maison du Seigneur. Padre. Marimar. Le bon, c'est le match. Le bon, à quel sommeil que ça? Sergio. Fort, hein? Non, Sergio. C'est fort, c'est le frère. Il confond, moi, que c'est fort. Il n'y a pas de monde, Seigneur. Sergio. Il n'y a pas de monde. Sergio. Faut de magie. Comment baisse encore le dernier fois. Le denier de la foi. Vous croyez que le dernier fois? Ah ben, j'espère pour vous, c'est pas le dernier fois. Hein. Eh ben, maman, il y a 6 azotes, hein?
Un genuflexion, on avait assez, hein. Attention les bancs. Alors comme ça, bon Dieu, la Niroute conduit Azat jusqu'à moi. Ah, c'est Marima qui l'a conduit. C'est où le conduit, l'autre conne ça. Enfin bref, je veux dire, cela arrive jusqu'à moi, c'est bien. En tout cas, j'espère qu'on l'a pas mis en avion. Hein? On rappelle ce crash d'avion là. C'est Joe, qui la sauve à où de ce crash d'avion? Qui oui, la sauve à où? Père la peau, faut à qui le crash? Père Porès. Père la Porès. Faut à qui le crash? C'est la faute au pilote de l'avion qui n'a pas mis de médaille Saint-Christophe dans le cockpit. Oui, mais qui la retrouve à où quand t'es blessé, souffrant, mourant dans la forêt? Qui la retrouve à où? M'y rappelle, Père la peau. Père Porès. Porès. On était assise debout de la forêt. Sergio. Oui. On était si carté. Oui, Marima. On était assise debout de carté de la forêt. Me rappelle, on était dessous un pied jujube. Comment là où mon yeux, on avait un petit singe à cou en l'air pour casser un mangue. La route s'en est qu'à banane. C'est à ce moment-là que la sentie à faire frais sur mon beau visage, tendre et beau. Comme elle a regardé, on l'a vu. Sa capuce. C'est sa capuce qu'elle a retrouvée en main, Père Padre. C'est sa capuce qu'elle a retrouvée en haut. Mais qui l'a guidé sa capuce vers haut? Qui l'emmène à lui jusqu'à haut? Qui? Père Padre, mais connais pas qui ça la guide sa capuce, mais jusqu'à moi, mais j'ai guidé le pied d'elle. Padre. C'est moi. Que la paye l'hélicoptère pour mettre sa capuce dedans. C'est pas sa capuce, ça, c'est Sergio. Non, pour mettre sa capuce dedans pour renicher Sergio. Quoi? Assise cartée debout dans les herbes. C'est où que paye l'hélicoptère pour sa capuce? Et oh, que moi, je n'ai jamais rentré dans l'hélicoptère. Donc, il veut dire que je n'ai plus bas qu'un chiot. La jalousie, c'est un bien vilain défaut, c'est Sergio. Hein. Il signale à haut que vous êtes là pour m'unir à haut pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous êtes prêt pour le pire? Le pire, Père Lapo, le pire. Père Porès. Porès. C'est soit Padre, soit Père Porès. Père Lapo, reste. Reste en haut. Sergio. Reste en haut. Sergio. Le pire, Père Padre, c'est comme on était sélectionné de l'équipe Brésil. Et qui me la tire 5 fois chez poteau, c'est ça le pire. Le syndrome de l'équipe de France. Oui, Père Padre. Sergio. Quand on était sélectionné dans l'équipe Brésil. Oui, Marima. On était en prison et on était en manche avec une femme. Oui, Marima. C'était quel côté la joue ça? À droite, Padre. Il faut tendre la gauche. Oui, Marima, mais m'a la démanché depuis avec la femme. Sergio, même si on la bat 5 fois contre poteau, quand on était sélectionné dans l'équipe Brésil, s'il y a bien un but qu'on l'a marqué, qu'on l'a pas raté, c'est celui qu'on la marque à moins, quand nous l'a fait notre petite fille, Crocita. Oui, Marima, oui. Cette-là aurait été un peu dur pour me louper. Vu que je m'étais à bout pour autant. Padre, où a fait pète le foie mon boug? Ça n'a encore le foie, ça? Oui, j'ai la foie. N'a pas une autre façon de parler de la procréation et de cet enfant que Dieu la donne à Zot? Et puisque nous parlons de Crocita, comment est-ce que tu veux m'y marier à Zot avec une enfant, mon Dieu, conçue en dehors des liens du mariage? Ah, mais dis, où on fait ça dans la case? Pourquoi tu fais ça dehors? Oui. C'est elle, ça, qui fait ça dehors.
C'est grave. Oh, Pierre Padré, tout d'un coup, enveloppe. 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 D'accord. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, vous pardonne. Maintenant, il veut savoir si votre cœur l'a purifié un peu. On a entendu parler de tout ce mal que cela dit et fait là, sur Natalia et Angélica. Hein? Il faut finir avec ça. Il faut pardonner. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner, si tu Sergio, et où Marima vous pardonne à Angélica et Natalia? Oui. Pas trop net tout ça. Angélica et Natalia. S'il faut les relanguetter. Je les relanguetterai. Elles ont cherché à voler mon boug. Oh, mon beau Sergio. Non, non, non. Il faut oublier tout ça. Marimar, il faut mettre un roche sur ton cœur. Un roche? Oui. Padre? C'est dans une gueule que m'y baiserai un roche. Bon, merci Jean-Loup. Yes, bien joué à toutes. C'est bien. Tranquille. Merci, sois bien rattrapé. Ouais, moi bien rattrapé, ça, t'as raison. Allez, bon, allez. Ah, bon. Toujours autant d'intéressant même. Didier, au fait, heureusement, c'était qu'un spectacle et que l'île est finie parce que Tirol chef là, il trouve qu'on exagère un peu trop. Oui, mais demain, il ne connaît même pas comme ça. Ouais, ça, sans tu le rôle, voyez. Mais miel. C'est terminé le spectacle. C'est bon, c'est terminé, Non, mais Lila, il y a bien accent. Tu vas pas raconter la jeune nature, quoi, sur Marie Marat, tout ça. Speakerine, hein? Ah, speakerine, mais bon. Allez, tu passes. Vous devez faire ça de métier tout le temps, hein? Allez, sente là. Si, t'y vas bien. Moi, comme ça, moi? Les vrais? Petit jeune homme. Petit gamin. Merci, ce sera pour mieux pour courage à moi, là. Pas un gamin bien venu, là. Les vrais? Ah, ou par contre, la vie de tous les jours, où je vais un cheveu comme ça, mais dis, oh, là où je suis en manque, ça. Ouais, non, les bien, bien, moi. Il fait les gars le sud. Ouais. Non, elle est bien, elle est bien. Ça, c'est pas dit, ça. Non, non. Là, imagine-toi, tu passes sa main là-dedans, elle prime le dialogue. Eh, mais ça y va, non, quitte ça avec le moustache avec. Bon, les gars, on se dit au revoir maintenant, le spectacle est terminé pour de bon. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous pour votre agréable présence ce soir. C'est la fin de notre émission, la fin de notre spectacle, Sightline Story. Merci. Marc, c'est big, c'est moi. Il n'a pas parlé hier. Il a un petit coin là-bas, on attend. On attend. Et même là, quand même. Ah ouais, maintenant, on va faire. Got to do it, man. What's love?
Grand père, ma mère, tu l'as fait pour moi là? Mais pour que j'ai un homme. Pour que j'ai un homme? Ben. Comme vous y aimez, grand père. Mais comment on va pour que j'ai un homme là-dedans? J'ai un homme. Grand père, d'accord, pour que j'ai un homme dans la connue. Ah, mais tu couilles, on va qui m'en a encore le temps avec ça? Casse les qui, grand père? Mais j'ai un homme là, on va. Mais maman, conseil de bien maman, un bout de temps, ma baby. Ah, maman, maman, pas changé, tu es la même figure. D'habitude. Ah, mais ça y est, on s'en va pas, hein. Maman, la femme, il connaît comment il est. Sinon, on s'en va à l'école. Ouais, parle, maman, l'école, grand-père. Parle pas l'école, grand-père. C'est un gars bizarre. Moi, j'aime pas l'école, maman. Rien que ça, m'y aime là. Théâtre, grand-père, mis à fond de là, mon grand-père. Ah, théâtre. Ah, bah, oui, théâtre, l'école, comme là. Hein? Théâtre, l'école, comme là. Théâtre, ben, on a plusieurs loisirs. C'est comme là. Là, je dis pas, ma théâtre, là, tout de suite, comme elle avait. Ah, il travaille mon esprit. Ma vie théâtre, moi, ma vie théâtre. Comment tu connais pas ça, du rouillon, ma vie théâtre, moi. Grand-père, qui est femme, grand-père. Ah, ben, ma vie théâtre, moi. Raconte-moi, Là-dedans, là. T'es qu'elle aura mal de tête là-dedans. C'est pas facile, hein. Donc il jouait, il fait quoi? Elle dit surtout pas dans un remake de Forme de Van Cavalier, hein. Les consignes avec strict. Ce mariage. Oui, mais non, mais me dire, oh, c'est pas un spectacle ceci sonné, avec des sketchs où on peut mettre dans n'importe quel ordre. Non, mais déjà, essaye d'avoir l'idée, mais je m'y connais pas, moi. C'est... Moi, je sais pas. Sur quoi ils ont envie de délirer? Oui, avec un fil conducteur. Comme un film, alors on est débile. Voilà, comme un film, voilà, exactement. Un peu comme un film. Un affaire, mais en entier, mais en live dans un truc. J'avais envie de faire une affaire sur Cyclone, moi. Cyclone, il y a un cyclone, là. Ok, ben, un monde. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est trouver tout ce qui va se passer pendant un cyclone. Un cyclone, c'est quoi? C'est une alerte, c'est coupure courant, c'est coupure de l'eau, c'est. Mais cyclone, c'est quand ça fait, je passe. Ben voilà. Cyclone Story, mais trouve les biens pour le titre. Ok, je pense. Moi, une moustache, il te reste pour rien à faire. Rien à faire, mais d'accord.
Alors, on parle à mon camarade la viande. Oui, moi bien, un bouclier gay, ben, moi, on les causer la tête, plein la viande, tout à fait, puis. Et la viande a gâté, ça, parce qu'elle m'a donné l'emmerde avec la viande. Ah, il y a les souffrés de quoi, comme personnage? Ah, moi, m'y ferait, je sais pas, la femme affolée, parce que la pagaille, parce que la loupe a un épisode Marimar, par exemple, parce que Marimar. Ça, la vie m'a bien chez le monde, dis-moi. Après, de mon téléphone Freedom, puis c'est toi, Marimar, tu vois. Ouais. Oh. Ben, mon petit, moi, dans les auditeurs là, le gars, il se connaît un peu partout, et tu nous as fait sur Internet, il connaît une espèce de gazin, un peu, moi. Chasseur cyclone, ouais. Allez, c'est Clone Story? Cyclone Story. Là, tu convoques un peu, après, il fallait convoquer le technicien pour voir si j'étais capable de suivre le spectacle, comment la façon j'ai tourné. Hein. Allez, c'est l'affaire compliquée, il faut un temps de réunion. Il faut ajouter combien de temps pour tout ça là? Ah, mais ça, il prend le temps d'avoir. Viens, mon temps, pour occuper la sono, le son. Allez, dis-le tout à l'heure, mais non, mais il veut la lumière. Allez, Patrick. Vous parlez, vous êtes dans le phénomène, vous voulez la lumière. Viens, pas besoin de père, par contre. Bonjour. Et nous faisons visite. Ici c'est père. Oh, comment on met Jacqueline. Et que j'ai habillé où? Alice Didier. Ah, ouais, bien. Bien, Jacqueline, Alice Didier. Ah, comment on met l'envoi? Sylviane. Ça même, mettez-moi au bison là. Sylviane, ah, vous repassez, vous habillez, vous faites le temps. Moi, je fais tout. Vous habillez toi, deux, un, ou personne? Les trois. Oh, ah, vous faites comment on met l'envoi? À moi, Gaël, moi. Vous faites quoi, où? À moi, je repasse, je m'habille, fait tout. Ouais. Ah bon, il y a oui, qui sont où? Alice, Didier, Jean-Laurent. Ah bon? Ouais. Mais combien de femmes les nager? Kepi, chapeau, maquillage, cheveux, marima. Nous, on a fait tout, hein. On a fait tout, voilà. Eh, me rappelle, mais t'as été là longtemps. Moi, t'es un espèce de bâtard, mais t'es en scène, moi. Enfin, t'es dirigé un peu dans les autres, moi. Pour si vous faites bien, vous faites mal, vous faites ça. Mais t'as été là. Il faut faire pour la vie. On a 40 ans de ça, mais ben, maman, elle est loin tout ça. Ah ouais, tout ça est loin. Grand-père, mais quand le monde garde ça, ben là. T'es rire, t'es applaudi, comment t'es valable? Ah ben, dans là, tu viens en Punjab. Ah bon? Ah, partout, c'était pas tes jouets, tout le monde te vient, hein. Le monde en carreau, le monde partout, tout le temps. Les gampés, t'es valable, regarde. Ah, ça, y'a pas, lui, ça, c'est valable. C'est le bon temps. Ben, la fée cassette dit que tout ça, la fait ça. Combien de phénomènes de VD? Oui, de VD, ben, ça va. Ah, mais ça, même, on VD là, nous, on a fait la fée VD que ça. Ben. Grand-père, mais. Tu es valable de ton grand-père? Ah ben, rien qui était valable de moi, c'est pas le pizza, mon gars, c'est pas le pizza. Mais ça fait ça, mon grand-père, mien, ça fait. Papi, encore, même t'es? Oui, attends, mais attends, est-ce que je peux me marmer quel papier? Donne mes médicaments piqués pour prendre la bataille. Regardez, Martin Fien a fait pour bonne marmer l'école là. On met pas avec ça, nous, on ne fait rien, nous. Mais non, comment expliquer ça? Mais on voit pas, ma maman, les déguisés, les nez. Attends, pas la voix. Mais ils ont coupé. Écoutez, c'est...